Et bah c'est l'heure de Minecraft alors. C'est l'heure de Minecraft, effectivement. Il faut rester pour choper le dernier moment, tout à fait. Oh oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je fais disparaître les avatars pour le moment. Est-ce que j'ai besoin de laisser le chat? Non, je vais fermer le chat ici, ça c'est pas indispensable. On va fermer le truc de recherche ici. Je vais fermer ça. J'essaie d'optimiser les ressources le temps de lancer Minecraft, si vous permettez. J'aurais pas besoin de... Ah si, j'ai besoin de Steam. Ok. Donc, mesdames et messieurs, je vous rappelle, à quelle heure le moment? À la fin de la partie de Becky. Je sais pas. C'est au moment où on va finir le stream. Au moment où on termine le live, Astarioth. Effectivement. Ça ne veut rien dire. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vous rappelle, Becky n'a joué qu'à Minecraft une seule fois dans sa vie. Donc elle ne... Et puis c'était l'année dernière, voire un peu plus longtemps. Donc il y a des chances qu'elle ait tout oublié. Vous allez devoir la backciter un maximum. Ah non, pas forcément 4 heures du coup, effectivement. Désolé Astarioth, ce sera peut-être 5 heures, qui sait. Il est deck, c'est ça, il voulait se coucher. Ah peut-être, oui, effectivement. Faut avoir le moment. Ok, Fraise Lover, j'ai bien reçu. Parfait. Hop, ouvrir Xbox. Très bien. Donc n'hésitez pas évidemment, vous êtes là pour ça. Moi je vais pas le faire, je vais laisser Rebecca se débrouiller avec le chat. Évidemment, l'objectif, on se dit quoi? Une armure en fer complète au oui, moins. Oui, parce que je crois que j'ai quoi? T'as déjà des bottes en fer. J'ai que les bottes? Ouais. Oh, c'est tout. T'as que des bottes en fer pour j'ai le moment. J'ai que des Rebecca. Bottes en fer. Ouais. Step 1, tape un arbre. Step 2, défonce le dragon. Voilà, visite d'orgée. Je vais reprendre la même sauvegarde que l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle a déjà un tout petit peu de stuff. Pas beaucoup, mais elle a un petit peu, elle a 2-3 pains, et puis un peu de pierre, un peu de fer peut-être à mettre dans un four, mais il faut qu'elle crafte un four, enfin voilà. Je vous laisserai gérer l'inventaire, c'est ça, inventaire que je voulais dire. Bon courage Rebecca. Tu voudras même te placer peut-être un peu mieux hein, d'ailleurs. Ouais, tu prendras ma place pour avoir accès à ce PC-là. Ah bon? Non mais, enfin oui si tu veux, mais enfin tu veux pas rester là? Pas pratique, tu veux te mettre là plutôt? Bah, je sais pas, mais j'ai le micro en plein milieu donc... Ah, bon, on peut le baisser, le micro, c'est pas grave, maintenant, on n'est plus en musique, on peut le mettre comme ça, le micro. Hop, voilà. En ce moment, il y a du financement pour l'encensement, donc c'est le bon moment pour ce moment. Tout à fait, bien sûr, ouais. Elle a que des bottes en fer, ouais, pour le moment, ouais. Bah, on avait galéré sur la première game. Mais t'as mangé tous les bonbons, Rebecca? Non, j'en ai qu'un, en plus que toi. Je ne pourrais pas rester longtemps, dit sorcière. Au départ, j'étais juste venu pour souhaiter un bon anniversaire. Merci beaucoup. Et gagner une pièce de jeu vidéo. Bah oui. C'est important. 11 ans d'expérience dans Minecraft, je peux aider. Ah bah oui, Rower. Non, mais tout le monde backseat là. Contrairement aux autres streams, vous êtes en full backseat absolu dans le chat, ok? C'est maintenant. C'est le moment. Donc, allez-y. Hein. Vraiment, vraiment. Ça marche. Donnez tous les conseils, tout ce qu'il faut. En parlant de moment, il y avait des crémas. Pour m'accueillir. Alors... Oh, trop bien, quoi, le cahouette. Eh, ils sont sympas. Hein. Coucou, F5. Ceux qui backseat pas, vous êtes pas. Voilà. Si vous backseatez pas, hop, ça dégage. Ça va mieux, le jus de pomme, ça y est. C'est bon. Je suis clear en jus de pomme. Mm-hmm. Après, il y a encore du thé, hein. Ouais, bien sûr. J'avais fait 2 thermos, donc... Ouais, on est large. Alors, hey. Optifine... J'ai mis des petits shaders pour qu'elles soient un peu plus jolies, plus sympas. Comment on fait alors? Non, tu veux rester là quand même. Ouais. Tu vas épicer de toute façon, donc comme tu préfères. Tu veux quand même mon ordi ou... Si tu veux non, faire des je vais trucs. Faire ça sur mon téléphone, je pense qu'il faut modérer des bon, trucs. Bon bah tu verras, si vraiment ouais, c'est trop là-bas. Chiant. Oh, mais comment c'est possible qu'on soit toujours en Gartic Phone? C'est fou, j'ai fait ça pourtant. Oh. Merci beaucoup, Colcahuète, c'est pas normal. Je suis deg. Merci beaucoup en tout cas pour l'information. Est-ce qu'on peut backseat quand on connaît pas le jeu? Ouais, vas-y, tape un arbre! Oh, Peppa, merci en tout cas, DCP. Ça veut dire quoi, DCP? Je sais pas. Merci en tout cas, mais c'est Beacon Cloud, attention, hein, c'est nos 4 ans. Donc, Ouais, ça c'est pas mal. Donc comment tu veux t'installer, Rebecca, dis-moi? Bah, je veux avoir accès au clavier, j'ai pas envie de me faire une tendinite. Hein, Ok, donc moi je vais juste essayer de relancer pour voir une caméra, peu importe laquelle. Je vais essayer de désactiver, réactiver ça. Et puis voilà quoi, une armure en fer et un nether. Moi j'aimerais bien que vous arriviez à lui faire faire ça. Ouais, j'ai nether, vu Pepaskov. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, vous, hey, vous imaginez, vous êtes dans une version de l'univers où quelqu'un ne connaît pas ce que c'est le nether. C'est quand même formidable, hein? Mais si tu sais, Rebecca. Non? J'en ai peut-être parlé à l'époque, mais. Bah, je sais pas, c'est une armure. C'est une armure en fer et une arme. Bah, je sais pas.
On va voir. Charlie Bird, hein, je compte sur vous, évidemment. Je vais voir si j'arrive à relancer une caméra ou pas. Eh, mais il s'est planté, en fait. Il continue de dire des trucs. Ah. Si on pénètre dans le Nether, ça va être marrant. Ah oui, tellement. C'est un lieu, le Nether. C'est un lieu. C'est un monde durant la canicule. Ah oui, c'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Si jamais j'ai joué à Minecraft, donc je suis encore plus nulle que Rebecca. Okay. Oh! Go armure en sable. Pff, mais non, mais arrêtez. Non, une armure en bois. On avait dit. Ni Link, il est capable. Pour le moment, j'ai OBS qui ne répond plus puisque j'ai voulu réactiver une caméra. Donc bon, ma foi. Après, sinon, on mettra cette caméra. On a encore, en tout cas. Tu vois, on est encore en ligne. Bah, super. On est encore en ligne. Je garde le jeu en, voilà, pour vérifier c'est... que c'est bon. Là, on propose un stream de qualité. Non, mais les gars, armure en bois, vous foutez pas de la gueule. Hein. Il y a plein de jeux où tu commences avec une armure en bois. C'est sûr, c'est pas une armure en cuir. Non, en bois aussi. En bois. Tu sais, t'as un vieux bouclier moisi en bois, un casque en bois, enfin voilà quoi. Eh ben, pas là. Bon, bah pas là. Là, il y a pas d'armure en bois. Faut déjà lui faire une pioche en diamant. Ouais, oh ça, là là. C'est du troll. Ah, ça. Mais c'est vrai. Oh là là. Non, mais on n'y arrivera pas. Faut les gars. Faut essayer d'en faire une. Pendant au moins une heure. On n'y arrivera pas cette fois-ci. Hein. Ou alors, faut vraiment... Eh, les meilleurs de Minecraft, là, faut vraiment la coacher au max, du max. Une potion? On peut faire des potions? Ah là là. La candeur de cette personne, vous n'imaginez même pas. Monsieur le follow. Alors, et on a Shadow... Shadow Kali. Bonjour. Très bien. Bonsoir. Vous arrivez sur un stream qui est en train de planter parce que ça fait 12 heures qu'on est en live et que le PC est en PLS. Ah si, la si. Caméra revient. Oui, regardez, on est là. Ouais. Bouclier en bois, arme en bois, mais pas l'armure. D'accord. Ouais, c'est ça. Okay. Par contre, OBS est en train de planter, donc il est en train de dire « ne réponds pas ». Vous nous voyez là, rassurez-nous. Vous voyez... On nous voit là-haut, regarde. Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord, vous nous voyez en haut. Hein. Ah ouais. Mais sauf que OBS est toujours en train de planter, donc du coup... Ouais, mais je sais pas si je voulais revoir ça, dit Jimmy. De quoi tu parles? Hop là. Re les BG. Re salut Pépa. Faut miner direct, ça se fait vite, la pioche en diamant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, comme tu dis. Ouais. On vous voit, mais vos voisins vous entendent. Ah bah alors là, oui, je confirme, oui. Et boum, la caméra. Boum, la caméra. J'essaye de débrancher. Ah, voilà. Tu vois, j'ai débranché les trucs et OBS répond. J'en étais sûr. Voilà, ça va mieux. Oui, ça va trop, beaucoup trop mieux. Trop de choses. Donc, on était ici. J'enlève le mode studio. Vous nous voyez ici. Parfait. Mmh. La caméra a planté. Ah oui, caméra la caméra bouge pas. C'est Nick. Celle-là, mais ouais. Non, c'est celle-là, ouais. Et celle, voilà. Hop, et ben on bah, est beau là, Rebecca. Et sinon, mets l'autre là-bas. Alors je l'ai débranché, ça va être le bordel. Ah bah non. Bah, je crois que OBS est encore en train de dire ne réponds pas. Le freeze de cam. Ça incroyable. Va, on n'a pas une trop sale gueule. On pourrait avoir une bien pire sale gueule que ça, c'est ouais, vrai. Ouais, c'est vrai. Oh, Rebecca, je peux te faire des bisous. Car il nous voit pas, viens, fais un bisou. Oh non, elle se retransforme encore. Non. Encore le désespoir. Non mais c'est bon, ça va être chaud de faire une armure et un Nether en un quart d'heure. Ah oui, non, mais... pas en un quart d'heure. Non, on termine pas à 4 heures, on terminera au pire à 5 heures ou quelque chose comme ça. Ça y est, la caméra rebouge. Non. Oui, si, ça bouge. Non, ça bouge pas chez eux. F5... Si, ça bouge. F5 n'avait plus de son. Ah bon? Depuis quand ça fait ce bruit là, les bisous? Ça c'est parce que c'est, tu sais, c'est un kraken qui fait un bisou. Oui, bien sûr, oui. Par contre, OBS est toujours en ne répond pas, donc je suis... C'est la première fois qu'OBS me claque un peu dans les doigts comme ça. On a réussi à faire plier OBS. Et ah, voilà. Merci Freya, des bisous à toi. Ah mais quand je fais annuler, la caméra, elle replante comme ça. Ouais, c'est con. Bon, je vais essayer de la masquer. Non mais voilà. Ça va, les voisins, c'est bon. Non, ça devrait aller, c'est que du blabla, là. Ça va, c'est pas de la musique, on hurle. Bon, on hurle, mais on fait pas de la musique, donc ça va. Je pense que je vais pas attendre le dernier moment, du coup, moi. Oh, désolé, Asta. Désolé, je vous souhaite un bon anniv et une bonne fin de nuit. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. T'as été là beaucoup, beaucoup, quand même. Désolé de pas de backseat de ma part. Ouais, je suis triste, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Comment je vais m'en sortir, moi, sans ton backseat? C'est le bruit des bisous de quand OBS crachote. Voilà, c'est ça. En fait, c'était OBS qui crachotait. Bah moi j'ai un voisin qui se plaint quand le clavier est trop fort, quand le bruit du clavier est trop fort. Ah ouais, non, quand même, mais ouais. Sérieux. Effectivement. Non. Quand je parle. Ah oui, quand tu parles aussi. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher, évidemment. Merci d'avoir été avec nous aussi longtemps. Je sais pas quoi faire avec ce PC qui est à genoux actuellement. Tu peux pas dis-moi. Le Canon vraiment le débrancher, lui le Canon. Je vais l'éteindre si tu veux. Ouais, comme ça. Et lui aussi je vais l'éteindre. Ouais, le Canon là-haut, ouais.
On va essayer de se mettre juste sur une webcam. Sur une Elgato. Elgato, exactement. Si, Elgato. Bon, alors, qui c'est qui est bon, là, encore, pour qui est chaud, là, pour du Minecraft? Est-ce que vous voulez pas déjà commencer à briefer Becky dans le chat? Ce genre de voisins avec leurs oreilles bioniques, c'est ça. Oh, bout, Adma, elle a fini de travailler. Adma, de retour du taf, bien joué. Et ben, écoute, on commence la run Minecraft. Est-ce que vous voulez pas déjà essayer un petit peu de coacher Becky? Dites-lui des trucs auxquels il faut qu'elle pense déjà, etc. Bon, une run vers quoi? Ben, c'est la deuxième partie de sa vie, Adma, donc forcément. Alors, c'est assez énigmatique. Alors, hein, apparemment, j'ai que des chaussures. Oui, elle a des chaussures en métal. Je sais pas, j'ai pas accès à mon inventaire là, je sais pas. Une hutte en terre. Déjà une pioche. Non, mais je sais plus ce que j'ai, on va voir. Hein. On va reprendre son. Oh non, les cochons. On va reprendre son ancienne game. Donc, du coup, ça veut dire qu'elle a déjà des bottes en fer, elle a déjà une pioche en pierre, peut-être une pioche en métal, avec un peu de chance. Donc, elle a déjà un ou deux trucs. Excusez-moi, je vais régler la caméra. Évidemment, vous nous voyez là-haut. Oui. Hop. Voilà, par contre, c'est. Ah, voilà, ben voilà, il s'est bien remis comme il faut. Ben voilà, on va essayer de garder cette caméra-là. En plus, on a le 4. Il y a beaucoup de soleil chez vous. Il y a beaucoup de soleil. Hop. Ouais. Alors, l'important, c'est de trouver du fer pour faire des ciseaux et prendre de la laine sur des moutons. Sérieux? Alors, tout ce que vous allez lui dire va lui paraître improbable, hein, je vous préviens. J'ai jamais joué, c'est une fois avec vous, il y a longtemps. Comment tu veux t'installer, Rebecca? Dis-moi tout. De la canne à sucre. Ouais, de la canne à sucre, mais ouais. Mais pourquoi foutre de la canne à sucre? Mais c'est du sucre. Comment pour faire une map. Comment tu fais une carte avec une canne à sucre? Bon courage à vous, évidemment. La laine permet de faire des fils et la canne à sucre permet de faire du papier qui permet de faire une carte. Sérieux, ça, ouais. C'est comme ça qu'ils faisaient les papyrus à l'époque? Peut-être, avec du bambou, tu vois. Mais ils ont fait bambou, canne à sucre dans le même objet. Bon, donc, alors voilà. Du coup, moi, je fais comment pour... Comment tu préfères? Dis-moi, après, je peux pousser ça comme ça. Tu vois, un peu de côté, comme ça, mm-hmm. Ce qu'on avait fait, je crois. Et puis après, tu prends une souris, un clavier, comme ça, là. Un Qualcahuète, toi aussi, t'as compris. Comme ça, avec un, ça te va, là? ZQSD, souris. T'as du... C'est... Quoi? Mais non, mais... J'ai fait quoi? Ben, tu as cliqué sur le chat. Ah oui, mais oui, c'est vrai, pardon. Oui. Pour voir tous les... quoi? Avec du bambou, tu as des pandas. Et tu peux faire des échafaudages. Mais des pandas, c'est des animaux. Mais c'est vrai! C'est quoi le but de la mission? C'est vrai. Mais on n'a qu'à faire le dragon de l'Ender, effectivement, comme ça au moins c'est fait. Quoi? Oui, oui. Bah, c'est pour finir le jeu, quoi. Oui, mais attends, je peux pas faire ça en une heure, moi. Non, Rebecca. Alors là, si t'arrives à faire ça en une heure, je pense qu'il faut s'inscrire à un concours national de speedrunner. Il y a que sur... Oh, mais t'as fini mes pizzas. J'ai pas fini mes pizzas. Il y a que dans Super Mario que tu peux finir en une heure. Non, mais pareil, tu peux speedrunner, je pense. Bon, tu fais reprendre la partie, Rebecca. Une heure, c'est de faire le poirier pour cette photo à la combinaison. Moi, je vais aller pisser. On fait ce que vous voulez, vous aider, Rebecca. Oui, voilà. Oui, tu as des pandas avec de la morve aussi dans Minecraft. On a déjà fait le sketch fou, Adma, on l'a fait avant Minecraft. Bon, alors attends, bon, reprends la partie. Moi, je sais plus, les gars, hein. Je sais plus. Alors, je sais plus, moi. Non, mais je sais vraiment plus les commandes. C'est-à-dire que voilà, reculer, gauche, droite, c'est d'accord. Le menu, c'est quoi? Gauche, non, merde, j'ai mis ça. Non. Voilà. Non, je sais pas si je l'ai... Comment on le prend? Avance dessus. Mais je peux pas. Ah, si... tab, c'est quoi tab? Non, c'est pas tab. Fais E pour l'inventaire. E? Oui. Ok, donc là en fait, voyons voir, qu'est-ce que j'ai? Mets ça quelque part dans ta main. Tu le drag and drop. Je l'ai pas dans la main? Non, tu l'as dans la main gauche, tu vas pas pouvoir taper avec. Mais c'est où la main? C'est tout ça. Mais c'est pas logique. T'inquiète. Voilà. Lâche-le là, voilà. D'accord. Ok. Va miner, dit Nox Bob. En fait, donc j'ai bien une épée en fer, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais. J'ai une épée déjà. Ouais. Grâce à vous la dernière fois. Et au niveau des bottes, j'ai des bottes en fer. Donc c'est bien ce qui me semblait. J'avais bien deux éléments en fer, ouais. Voilà. Il fait nuit dehors. Non, mais je vais dormir. Roulette pour circuler dans tes trucs en bas. C'est faux. Fais roulette. Ah oui, voilà. Ça change de ce que t'as dans la main à droite. Ok, d'accord. Ah, faut pas que je backseat moi, je vous laisse le chat backseater. C'est beaucoup plus drôle. Fais une table de craft. Alors, mais les gars, elle sait même pas ce que c'est une table de craft. Soyez plus pédagogique. Non, mais moi, je sais rien. Soyez full pédagogie, sinon ça va pas marcher. Donc, par exemple, donc j'ai des trucs, j'ai des cisailles, des briquets. T'as remarqué, c'est rouge autour. Ah non, c'est rouge. Donc j'ai pas ça. J'ai pas ça. Putain. J'ai pas du bois de sapin. Tu le vois que j'ai pas de bois de sapin? J'ai pas de diorite. De diorite. Moi, je pète une diorite un peu. Une diorite. Andésite poli, bloc de neige, carotte sur un bâton. Quoi? Mais pourquoi foutre? Carotte sur un bâton?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle une canne à pêche, mais pour les lapins. Pense c'est... à lire le chat, Rebecca, quand même, hein, pour essayer d'avancer quand même, parce que sinon tu vas pas y arriver. Sympa, merci. Encore dans le carré en haut de mais le bois. Quoi? Non, mais parlez français aussi. Oui, ça c'est pour fabriquer des trucs. Et encore, c'est bien cette nouvelle version, il y a tous les crafts expliqués, mort de rire, avant que ça aille chercher sur internet. Fais le machin à droite du machin qui ressemble à un bout de bâton et un machin qui brûle en haut. Voilà, ça c'est super bien expliqué, on dirait ma mère. Dans le tableau de fabrication, mes 4 planches dans chaque carré, par exemple. C'est un truc pour fabriquer un truc. Ça, j'avais bien compris. Il va te falloir une table de craft, un établi en haut pour faire fabriquer des trucs. Pour faire cette table, il te faut des blocs de bois. Et je vais regarder si j'en avais pas déjà fait un. Pour faire avancer un cheval. Un cheval! Parce que tu vois, tu fais du cheval comme ça. Tes planches. Une table de craft. Craft le truc au-dessus de la carotte canne à pêche. Donc ça, en fait. Bois de sapin. Ok, il y a 2-3 personnes pour aller sur le Discord dans la vidéo et briefer. Mais non! Tu peux déjà faire ta table de craft. Alors, ce que je vais faire. Il y a de la nourriture. Il y a ça. Il y a des trucs. Et voilà. Et donc, on est d'accord, ça c'est tout. C'est tout, en fait. Tout ce que je peux crafter. D'accord? Et ça, c'est des trucs plus particuliers. Je sais pas. Donc, admettons. Donc là, il fait nuit, c'est ça? C'est ça que vous avez dit? Pourquoi vous savez? Comment vous savez qu'il fait nuit? Comment on ouvre une porte? Comment on ouvre une porte? Comment on ouvre une. Ah, c'est clic droit. Et tu vois, il fait pas nuit! Alors, on me ment? On me ment? Alors voilà. Je vais regarder, parce qu'il me semblait. Attends, il me semblait quand même que j'en avais fait une. Attends, viens. Bonjour. Y a personne. Non mais c'est bon, j'ai bien compris qu'il n'y avait personne. Je suis sûre d'avoir... Tiens, je vais prendre ça. Non ? Ça sert à rien, on est d'accord. Je suis sûre d'avoir déjà eu ce truc-là, en fait, d'avoir un établi. Je pense. Oui, je l'ai récupéré. Moi, j'ai chopé une torche. Parce que ça, par exemple, c'est quoi, ça ? C'est pour faire quoi, ça ? C'est pas pour faire un truc, ça ? Mais tu veux pas monter, en fait. En fait, t'es teubé. Tu sais pas grimper. T'es nul. Bon, alors, attends, faut faire le tour. C'est pas ça? Non, alors non, j'ai pas du tout. C'est quoi, ça? C'est quoi? C'est un fumoir. Avec un fumoir, on fait quoi? Tu es dans un igloo, le tout est l'igloo. Bravo, Lone Wolf. C'est un four amélioré. Donc ça, c'est que pour la bouffe. Donc là, pour l'instant, je peux rien crafter parce que j'ai pas des trucs... J'ai des os. On peut manger des os. Non, bah d'accord. D'accord. Des os, on peut pas manger des os. Non, des os, on peut pas manger des os. Ok, bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Oui, ça, c'est le bouquin. Ok, donc non, c'est pas ça. Putain, mais je suis persuadée d'avoir... J'en avais crafté un, quand même, de ces trucs, là. Quoi donc? Bah, pour crafter des objets. Ah, bah, il était dans ta mine, je l'ai pas récupéré, pardon. Ah, d'accord. Il est perdu dans un fond d'une mine. Comment ça, tu l'as pas récupéré? Je t'ai ramené dans un village, Rebecca, pour pas que tu commences dans la pénombre, attaqué par 12 000 mobs. Il fait un peu vomir, ce décor, non? Il y a un petit truc qui va pas, oui. C'est la glace qui se reflète. Ah, putain, c'est ça. Bon, alors, je le mets où? Faut que je la nuit tombe, ne t'éloigne pas trop des lits, dit Visitor G. Oh mon dieu, il y a une créature là-bas, Julien. Ça s'appelle un lapin. C'est un lama, non? C'est un lapin. Je peux le tuer? Tu peux le tuer. Oui, prends ton épée. C'est pas ça. Roulette, épée. Ah, pas du tout. On entend l'eau. Ah mais viens! Viens te faire tuer! Petit pixel! Hein? J'ai chopé de la viande. Et du cuir. Oh mon dieu. J'avoue que reste vers les maisons quand même, dit Rower. C'est le décor reflété mais qui est clippé quand même. Oui, tout à fait, Visitor. Effectivement, il y a un petit souci. C'est où les méchants? Ah, tu veux taper les méchants? Non. Mais tu vas mourir, Rebecca. Ah oui, c'est sûr que je vais mourir, hein, c'est sûr. Pense à fermer ta porte en rentrant quand même, aller te coucher. Becky et Minecraft, c'est comme un joueur de handball sans bras. Bon, mais sinon, je dors, hein, voilà. Ah, mais oui, dors, ferme la porte et va dormir. Bon, voilà, je fais dodo. Clique droit sur le lit. Ah, voilà, The Nox Bob. Voilà qui est didactique. Clique droit sur le lit. Et oui, non, elle a joué qu'une seule fois il y a un an, donc elle se rappelle plus des commandes ni rien. Donc, évidemment, soyez patient avec cette personne. Les patients sont priés d'être patients. Bon, je fais ça où, alors? Je fais ça là? Je peux faire ça là? Je fais ça comment? Je mets des bouts de bois, c'est ça? De la terre? Non, du bois. Vous avez dit quoi? Des planches de sapin ou de la terre? Il faut que je fasse chez moi? Ah, dans ma maison? Genre, je fais cramer ça dans ma maison. Mais vous êtes... ça, cramer?
Bah, je sais pas, il faut... Non ? Faut vraiment que je fasse ça dans un appartement. Eh oh, les... Non, mais les... Et la sécurité, vous connaissez ? Mais personne n'a dit qu'on allait faire cramer des trucs, si. Mais si, regarde. Donc, du coup, donc, on a dit des planches de sapin. Voilà, je fais comme ça. Mais il y en a 25, ça fait beaucoup. Comment je fais ? Clic droit. Je mets que 4, ça suffit 4. Et ensuite, un établi. Vas-y, merde. Dans c'est ta bon. Main. Dans ma main. Attends, putain, c'est ça. J'ai pas le truc. Hein. Pardon, donc... hein, je fais des raccourcis quand même pour vous lui expliquer. Hop là. Comme ça, vous lui expliquez ce qui est intéressant. Et hop, je mets l'établi. Clic droit. Bravo, l'établi ! Clic droit, Rebecca. J'ai mis un établi ? Non, t'as creusé un trou, patate. Mais bah, t'as mis un établi dans le sol. Bon, ça marche quand même, mais bon. Bah, au moins, ça prend moins de place, je peux marcher dessus. Bien salut, sûr. Bonjour, j'ai un établi. Regardez, il est incrusté, il est beau, regardez, on dirait une dalle. Tu vois ? L'établi, c'est ce qu'on appelle la table de craft. Ok, donc, okay. Et maintenant ? Bah, maintenant, tu vois que ton ah, je peux faire canevas est plus grand. Ok. Tu m'as pas pardon, répondu. Pardon, j'étais parti pisser, Rower, désolé, tu m'as dit quoi ? Ok. Pardon, j'ai pas vu. Alors, un établi, Helpablit. Moi, je suis d'accord avec Nilink. Hein. C'est ça prête à confusion. Hein. Moi, construire du Helpablit. Hop, un Helpablit. Bon, alors, du coup, et donc là, bon. Eh, il y a une épée en bois. Allez vous faire. Hein ? Bon, quoi ? Une épée en bois. On a dit des armures en bois. Oui, mais arrêtez de me. Hein ? Il y a des trucs en bois. Je suis pas folle quand même. Si tu lui as mis le Keep Inventory pour pas qu'elle perde tout à chaque mort. Non, non. Si elle meurt, elle perd tout. Toutes les cases sauf au milieu. Comment tu mets de la pierre partout sauf au milieu. Pierre. Tu prends un clic droit ensuite pour... 1, 2, 3, 4... Et enfin, pas au milieu, pourquoi ? Tu peux rester appuyé. Pourquoi pas au milieu ? Bah, c'est la recette. Oh, je peux faire un fourneau. Ok. Pas mal. Et ben, je vais le mettre à côté. Pense à la le chat de temps en temps. Et donc là, pour le faire, il faut que j'appuie sur gauche. Droite. D'accord. Avec un fourneau dans mon F1 studio de 2 mètres carrés et demi, je fais donc un fourneau. Je fais de la bouffe. Mais il y avait un fourneau dehors. Ah bon ? Bah oui. Pourquoi ils me font faire d'un fourneau alors qu'il y en a un extérieur ? Mais comme ça, c'est le tien. Mais c'est branle. De la pierre, ça va. Ça coûte rien, la pierre. On s'en branle. Moi, je m'en fous. Moi, je fais colocation, moi. Tu mets le... Bah, écoute le chat. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Épée égale arme égale pas armure. Ouais, bon, c'est bon. Ouais. U à l'envers, ça fait froc. Oui. Putain, tu me dis lire le chat alors qu'il dit des conneries. Mais non. Donc, mais même gauche, pas du tout. Sauf que t'as pas assez de fer pour faire un froc, mais... Ah putain, c'est une vraie truc. Des jambières en métal. Putain, dis-lui. Non, mais un U à l'envers, ça fait un froc. Putain, mais dit comme ça, ça fait genre... On me troll, là, c'est pas possible. Non, mais un U à l'envers, ça... Mais c'est vrai que dans le village, c'est un fumoir, c'est pas un fourneau. D'accord. C'est quoi la différence ? Fais du saucisson ? Ouais, voilà. T'occupes pas. Ok, t'occupes bon. Pas. Maintenant, je fais quoi ? Il faut aller miner. Alors, le fourneau te permet de faire du charbon pour faire des torches et de transformer tes minerais de fer en lingots de fer. Est-ce que tu as des minerais de fer, Rebecca ? Alors, j'ai quoi ? J'ai de la pierre. Pourquoi j'en ai 1000 ? Je peux aller mettre ensemble ? 64 maximum. Ah, c'est pour ça. J'ai quoi ? Du fer brut. Ouais. J'en ai que 6. L'inox bob. Fer en haut et charbon en bois. Ok. En bas, pas en bois. J'ai dit en bois. Mets-les tous. Ah bon ? Oui. Ah ouais ? Le fer brut te sert à rien. Ah ouais ? Bah si, la preuve. À l'état brut, il ne te sert à rien, donc mets tout de suite à fondre. Et charbon en bas, en, voilà. Et là, j'en mets combien ? On s'en fout. On s'en fout. Enfin, t'en garderas pour faire des torches, mais voilà. Faut miner pour chercher du charbon et du fer. Bah, on a du charbon et du fer déjà un petit peu, Charlie. Mais pas assez. Parce que la dernière fois... Et donc, hop, je prends un lingot de fer. Enfin, je pourrais le laisser, mais... Et je peux partir pendant ce temps-là ? Oui. Comme dans la vraie vie. Ça, je peux fermer. Tu fais ta tarte aux pommes et tu te balades. Je ferme la porte parce qu'on sait jamais. Oui, tout à fait. Clic droit. Waouh. Alors ben, en vrai, tu fais autre chose normalement pendant. Qui c'est qui a fait cling ? C'est moi, c'est parce en fait, quand tu craftes des lingots de fer, tu récupères de l'expérience. Oh ! Des points d'XP. Moi ? Une tarte aux pommes en fer ! J'ai de l'expérience. Bah oui, Rebecca. J'ai fait de l'expérience. Lis Visiteur G ?
Merci Julien de backseat le backseat. Bah oui, avec le fer, tu pourras faire une torche, tu le garderas pour miner des diamants. Tu peux pas miner les diamants avec une pioche en pierre. Tu les mines avec une torche ? Ah non, mais il s'est planté. Avec le fer, tu pourras faire une pioche en fer, pas une torche en fer. Tu pourras faire une pioche en fer. Et avec la pioche en fer, tu peux miner du diamant. Ouais, parce que je me vois mal, tu vas prendre la torche, je fais il veut du diamant. Parce que du coup, si tu mines du diamant avec une pioche en pierre, tu récupères pas le diamant. Le diamant est perdu. Même si t'en trouves, il se casse. Non. Ouais. Ben voilà, t'as récupéré. Ceci dit, moi je pense que l'objectif de la journée, c'est quand même d'avoir l'équipement, tu vois. Full fer. Bah ouais. Oui, full fer au moins, non ? Je sais pas. Non ? Mais en gros, si tu veux miner plus vite, il te vaudrait plutôt mieux d'avoir une pioche en fer. Tu mineras plus vite et du coup, tu pourras trouver plus vite du fer. Pierre qui ramasse pas. Ouais, tu vois, le fer est plus clair que la pierre. Oui, dans effectivement. Le look. Et donc, tu dis que pour faire une pioche en fer, il faut faire un froc en U. C'est un froc en U. Et pour faire le froc en U... Ah là, après, t'écoutes qui tu veux dans le chat. Hein. Là, après, c'est plus mon problème. Hein. Tu vois bien tu qui te tu te suis. Tu te démerdes. Bah, je sais pas, moi. Fais un froc en U à l'envers. Un U à l'envers ? Bah non, un U à l'endroit. Ah non, un U à l'envers. Bah oui, un U à l'envers, les gars. Pour la pioche, il faut aller sur la table de craft... Ligne de fer en haut et des bâtons. Oh là là. Sur la rangée du midi. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire des jambières ? Parce que je vais traduire le chat. Tu veux faire des jambières ou une pioche ? Dans tous les cas, tu prends ta table de craft. Tu pourras pas crafter dans ton inventaire. Il faut que tu craftes sur la table de craft. Mais elle est là, clique la table droit. De craft. Voilà. Ouais. Et donc là, je peux crafter soit de l'équipement. Soit des jambières. Pas des jambières. Pas des bottes. Je peux faire les bottes, je les ai déjà. T'as deux pages. Ah oui, c'est vrai. Ah. Là, je peux faire un casque, par exemple. Mais elle a pas assez pour faire des jambières, les gars. Il lui en faut 1, 2, 3, 4, 5. Il en faut 7 pour faire des jambières. Mais elles sont où les jambières ? Ah, elles sont là. Tu vois ? Ah ouais, il t'en faudrait 7, t'en as pas assez. Donc et tu vas faire une pioche. Je peux faire un casque ? Tu peux faire un casque. Sinon, ouais. Tu la pioche, dit Nox Bob. Fais la pioche en fer. La pioche en fer, elle est où ? Elle est là. Et tu d'accord. vois, ça ressemblera à ça. Vas-y, clique. Tu vois ? C'est bâton, fer. Ça ressemble à une pioche, sommairement. C'est pour ça. Mais et oui, donc, pour le faire ? Tu la récupères dans le. Ah ouais, elle est déjà faite, quoi. Voilà, c'est bon, c'est ça. Poète. Bah c'est toi qui l'as faite. D'accord, mais j'en ai qu'une. Elle va vite se casser. Exactement, visiteur, j'ai c'est bon. Oui, plus ou moins. Rower disait quelque chose d'important. Il disait, ce serait bien que t'ailles dehors, vadrouiller pour chercher de la bouffe. Sinon, tu vas vite tomber en rate quand tu vas miner. Mais il y a des cochons. Bah tu peux si tu veux. Hein. Charlie veut aller miner. Y aller, on mine. Allez, on mine. Mais si elle a pas de bouffe, Charlie, comment elle va faire? Elle va pas survivre. Bon, comment je trouve de la nourriture? Il faut que je trouve des lapins. Lapins. Tu pourrais cuire des lapins après, hein, oui, ça fait de la viande. Je vois hein. des lapins. Bonjour, petit lapin. Bonjour. Tu viens ? Moi, j'aime les animaux. Je suis famille d'accueil, si tu veux. Mais viens ! Viens ! J'aime les animaux. Tu sais, le gerbotron 6000, au secours. Mais viens ! Voilà. Si elle veut miner et qu'elle a pas de bouffe, elle se met une mine. Et ça passe tout seul, oui, t'as raison. Plein de carottes et de patates, ce sera mieux. Ah bon ? Mais... C'est vrai. Tout à fait, c'est comment doux. Je trouve des... Les lapins, ça nourrit presque pas, cherche plutôt cochon ou mouton, dit Rower. Ah, je backseat le backseat, hein. Mais du coup, faut que je retourne dans les maisons... Oui, bah tu peux putain, faire ça. C'était où ? C'était vraiment ici. Après, dans la nature, il y a des cochons et des moutons, naturellement, à l'état sauvage. Ouais, c'est vrai, je vais pas piller les villageois. Bah, alors, quoi que tu fasses... Et quoi que tu ne fasses... tape pas le grand bonhomme que tu croises dans le village. Ouais. Voilà, si tu peux. Voilà, lui là. Genre lui, non. Bon, j'aurais peut-être pas dû le dire, on aurait beaucoup rigolé, mais après c'est chiant, tu vois. Non, être... mais moi j'ai l'habitude de. Hein ouais, ouais. Putain, franchement, même un étudiant il a pas aussi petit. Sérieux. L'amour est partout, tu regardes. C'est ça. Rien. C'est marrant. C'est de ça. La déco. Ouais, Rower, j'aurais pu, mais après ça veut dire qu'elle va être bannie du village, c'est chiant quoi. Alors, ils sont les petits cochons, je vous entends. J'ai plus peur de vous. Ils sont là. Donc là, je peux les... Ah, ma fleur. Eh oui, vestige. Donc là, en théorie, je peux les tuer et ça fait rien. Théorie, je crois, oui. Après, je sais pas si le golem va se fâcher, j'en ai aucune idée. Attends, je ferme la porte, comme ça, il voit pas. Oh, t'as raison. Non, mais non, pas dans ce sens-là. Tue. Vous êtes salauds, quand même. Tue. Bon. Tue. Tue. Alors les petits cochons, tue. C'est pour l'expérience. Tue. Hop, pas de golem. Pas de golem. Bonjour, je suis actuellement décédé. Mais laissez tout de même votre message et je vous rappelle votre posthume. Tue. Kill. Nouvelle recette, bah bravo. Alors, merci voilà. Blanc pour le follow.
Si dans ta vie tu tues un cochon, sache que il y aura une recette qui popera automatiquement. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas sauter au-dessus des barrières. Oui, voilà. Bah oui, si oui. Si tu te rappelles. Il y avait des moutons dans ce village. Elle aussi, elle a buté les moutons. Oh, mais il y a quelqu'un. Bah oui, c'est la nuit, ils vont dormir. Viens, je veux te buter aussi. Ah bah non, tu pourras pas le manger, lui. Hein. Ça va être c'était quoi déjà ça? Ça va être la nuit, il va t'arriver. Oh, ça a planté. Oh. Mais non. Oh, fais jouer. Oh, allez, vas-y, ça me fait chier, faut que je recommence. Je sais pas si. Oh, il a peut-être sauvegardé à un moment donné quand même. Pourquoi ça plante? Ah, oh, je sais pas. Bah, tu sais, on est en stream, hein, donc bon. Pourquoi ça rit? Pourquoi ça pleure? Ça, pourquoi ça plante? Les shaders sont peut-être trop violents. Ouais, je vais modifier peut-être un peu des trucs. Ah, va falloir que je joue sur un jeu dégueulasse en pixels. Non, pas à ce point-là, mais je vais baisser les chunks, etc. Peut-être que j'avais bonne mis nuit, les... Bonne nuit, Charlie. Ah non, bonne mais les shaders, elle va pleurer après Rebecca. Déjà qu'elle dit que c'est moche. Sauvegarde auto, avec un peu de chance. Je pense que ça a sauvegardé au lapin. Hein. Voilà. Je pense que ça a dû sauvegarder par là. Champ de vision, difficulté facile. Oh, je t'ai mis en facile, Rebecca, je suis sympa. Hein. Option graphique. On va pas mettre 29 chunks, on va mettre beaucoup moins. Hein. Voilà, on va lui mettre 16, ce sera bien déjà. Oh là là. Distance simulation. On va mettre 60 FPS, on va pas avoir besoin de plus. Déjà là, je pense qu'on sera vachement plus tranquille, non? Ouais. Voilà, ça m'a l'air bien. Alors, donc... Est-ce que... Ah, j'ai pas mis au max? Ouais, bon, on verra quand elle sera dans l'ombre. Bon, alors... donc, je tue des cochons. Oui, vas-y. C'est vrai que c'est vachement plus moche quand même. J'ai pas enlevé les shaders, j'ai juste enlevé les images par seconde. Ouais, et mais c'est plus moche. Mais non, mais ça. Tu vois juste moins loin en théorie. Donc c'est juste psychologique si t'as l'impression que c'est plus moche, Rebecca. C'est plus moche. Mais non. Merde, c'était où? Petit cochon. Va tuer les cochons, Dinox. Les cochons Jésus sont revenus. Ah. C'est quoi ça? T'as laissé la porte ouverte, ils vont se barrer, Rebecca. Ah voilà. Mais ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps. Ils vont mourir, ils ont pas le temps. D'accord, voilà. C'est psychologiquement plus moche, c'est ça. Bah si, hein. Oh, il y a des trucs, là. Je peux tout voler? C'est peut-être pas forcément intéressant, mais je laisserai le chat en décider, hein, mais... Est-ce qu'il y a des trucs bien? Des graines de betteraves? Tu pourras planter des betteraves. Prends les graines, dit Visiteur G. Si tu veux, je te lis le chat, je fais le backseat du backseat. Lingot de cuivre! Du cuivre veux... brut. À moins que tu veuilles faire des paratonnerres avec... Des barrières en sapin. Inutile. Bon, y a pas un truc sympa là? Des pousses de sapin? Non. Il y a des chances que ce soit toi qui aies mis ça dans le coffre. Oui, en vrai, Rower, c'est moi qui ai vidé son inventaire avant le début de la partie. J'ai tout mis là-dedans. Pour être sûr qu'elle n'avait pas des trucs inutiles dans son inventaire. On peut faire du snowball, oui. Ouais, c'est surtout des blocs de déco, le cuivre. Bon, bah d'accord. Faudra lui faire un coffre chez elle, effectivement. Ça va vite se remplir, sinon. Mais y a pas de chez moi, les gars. Bah, y a ton truc avec les deux lits, là. Ouais, ouais. Après, tu pourras grandir si tu veux. Hein. De, regarde, c'est vachement chez moi. Regarde, y'a un mec qui squatte là. Non, mais pas là, l'autre. Du coup. Putain, je sais plus où ils sont là. Oula! Il m'a fait peur lui. Putain, il me fonce dessus. Normal. Tu peux planter des graines, mais j'ai super de t'expliquer. Ah. Allez, vas-y. Faire cuire la viande. Bah, c'est vrai que tu pourrais au moins buter les... Ouais. Là, il n'y a pas de lit, hein, donc... Non, mais je m'en fous, je bute les cochons d'abord. Ok, cool. Et je retourne chez moi, là. Oh, mais c'est nul de tuer quand même des cochons. Bah, tu peux planter des carottes et des betteraves, hein, en vrai. Attends, je retourne en bas, là. Là où j'ai mis l'établi. Ah, c'était par là? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'était derrière, mais... Ah ouais? Ouais. Tu veux dire que le... D'accord, ça fait culette. Ah oui, tellement nostalgie de la musique, hein. Je crois que c'était à gauche par là-bas, non? Je sais pas, mais il y a plein de... Oh, vas-y, prends là, c'est bon, dors là. On s'en fait... Vite, vite, avant qu'il vienne se coucher. Non! Mais t'as... Rebecca! Oh, le grand... Bah, trop tard, il s'est couché. Ah, voilà. Bon, ben... Voilà, SDF. Oh, oh. Ah. Ouais, ouais, il y a des trucs là-bas. C'est tout par là. Ah, c'est vrai, Visiteur G, je savais pas. Cours! A dit Rower. Cours! Run, you fool! C'était pas là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Okay, allez, au lit. On a rien vu, on a pas vu des zombies. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas les zombies. Tu veux être à l'écran plus, Julien? Non, enfin, ça va. C'était à la moitié d'écran, c'est dommage. Non, mais je suis avachi dans mon canapé. Dans mon canapé. Dans ma chaise. C'est où? Je sais plus. Hein.
C'est où c'est la maison à côté, toi, non? C'est la première à gauche, là. Ouais, je sais plus. Non. Celle-là, à droite. Voilà. Ok. Donc, t'as dit qu'il fallait faire quoi? Faire cuire la viande. Ça pourrait être pas mal, déjà. Et là-dessus, alors? Dans le four? Bah ouais, dans le fourneau, ouais. Ouais, mais il y avait un truc aussi dehors. Alors, je sais pas quel. Oh non, mais c'est un fumoir dehors. Alors, le lapin cuit. On peut faire du lapin cuit parce que j'ai ce qu'il faut pour faire du lapin cuit. Il faut cuire la viande comme pour le faire, disent Nox Bob. En U. En U, c'est ça. Tu cuis la viande en U, ça fait un froc. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que quand tu tues on tue le cochon sur Minecraft, il est halal? Dit Charlie. Ça, je crois pas. Hein. Des zombies câlineurs. Oui, c'est mignon. Mouton cuit. Pourtant, j'en ai tué deux des moutons. Pourquoi ils me mettent qu'une seule viande? Bah parce que des fois, ils dropent pas forcément de la viande. Des fois, ils dropent de la laine. Et pas de la viande. Ok. Pas tout le temps logique. Hein. Sachant que le lapin nourrit que dalle et le cochon nourrit beaucoup. Voilà. Okay. Freya qui dit, alors, un conseil, dors assez souvent parce que si tu dors pas, il va y avoir des monstres qu'on appelle des fantômes. Des mobs volants en haute altitude. Ils spawnent uniquement la nuit au-dessus des joueurs qui n'ont pas dormi depuis au moins 3 jours. Voilà. Non mais moi je dors la nuit. Tu sais. Ouais. Après ils disent, mets tout pour la viande, effectivement. Ouais, tu peux tout mettre d'un coup et puis attendre que ça cuise. Et puis voilà. Après t'as le droit de construire plusieurs fours hein, pour cuire plus vite des trucs, tu vois. D'accord. Ça se fait aussi, tu peux faire 3-4 fours et puis tu mets du charbon un peu partout. Ok, et ça c'est quoi ça? C'est des pommes de terre. Et on n'a pas de pommes j'ai de terre. J'ai du pain. Oui. J'ai du mouton cuit. Tout à fait. Tu peux empiler le mouton cuit sur le mouton cuit. Oui, c'est du mouton. Voilà. Peau de lapin. Et je crois que tu n'es pas obligé d'attendre sur le four. Non, non, t'es pas obligé d'attendre sur le four, mais bon. Oui, mais là, faut que je. Là, si elle part miner, on est foutu. Du coup, on attend devant le four. C'est beau. Comme chez mamie. Non, chez mamie, on regardait la télé, on jouait aux jeux vidéo. Regardez quoi chez mamie? Moi, je regardais Les Amours chez mamie. Putain, regardez, c'est nulleté. Amour, gloire et beauté. Le journal de TF1 chez mamie. Ah bah oui, évidemment. Objectif Never. Bon courage, Nox. Non. Pour ce soir, oui. Non. Alors là, va falloir être hyper opti hein, pour le Never. Par contre, ce serait très drôle. Hein. Je pense que la partie se terminera sur le Never, hein, si on y va, mais... Allez, je mets la bouffe ensemble. Ok. Voilà. T'as le droit de te faire un coffre si tu veux faire un coffre. Pour mais il y en avait un autre là-bas. Oui, non, mais un à toi. Dans ta maison à toi, là. Enfin, dans ta location. Dans ton meublé. Mon meublé. Alors, comment on fait un coffre? Déjà sur l'établi. Ah oui. Dans le fourneau, tu vas un peu galérer. Dans ton établi, dans le sol. Alors, il y a des trucs. Toutes les recettes. Oui, je sais, mais je sais pas ce que c'est. Alors, sapin, bloc, bâton, escalier, laine, bloc, andamien. Non. Ça, c'est quoi? Une table. Bah, il y a un fourneau. Non, c'est pas ça. Bateau. C'est pas un coffre, ça. Non. C'est où les coffres? Ça, c'est un coffre. C'est un coffre, c'est vrai. Allez, c'est parti. Tu as vu la forme qu'il a? Eh bah oui. Eh oui. Hop là. Nox Bob proposait de faire un saut avec les trois trucs de fer qui te restaient. Ça va être un peu chaud à gérer, je pense. Si elle doit gérer des trucs. Clic droit toujours pour poser. Oh putain. Rebecca. Comment on fait pour remettre la terre? Tu sélectionnes de la terre dans ton inventaire et tu poses le bloc de terre. Tu la mets dans ta main, un de tes slots en bas. Tu déplaces la terre qui est là. Ouais. Voilà. Ou échappe, voilà. Tu sélectionnes la terre et tu fais clic droit. Voilà. Ok. Et donc c'est clic droit. Remonte un peu. Voilà. Même pas. Ah, peut-être ça bloque la porte ou c'est pas. T'es trop dessus, ouais, peut-être. Voilà. D'accord, ok. Pour ça, je peux. Déjà, faut de l'obsidienne. Non, mais l'obsidienne, les gars, on y est pas tout de suite. Hein. Ouh là là. Ah, il troll là. Pour l'obsidienne, il faut de la pioche en diamant. Donc il faut du diamant. Donc il va falloir creuser. Et donc, il disait qu'il fallait un seau. Pourquoi foutre? Faudrait faire un truc pour le jardin, une houe, il faudrait faire pour le jardin, effectivement. Ah, la houe, c'est pas con, effectivement. Viens, on fait une houe. Mais qu'est-ce que... Quoi? Tu sais ce que c'est, une houe? Non. En jardinage, une houe? Non. Non? Non, c'est une arme. C'est pas une arme, c'est pour jardiner. Jardiner. C'est... Je sais pas où c'est. Bâton et un bloc de fer, je crois, non, c'est pas ça? Mais c'est où? Ah, c'est vrai que là... Je le vois. Ah, pas. T'as pas assez de bâton pour faire la houe. Ah bah alors... Prends des planches et fais des bâtons. A ton avis, comment on empile des planches pour faire un bâton, Rebecca? Intuitivement. Alors déjà, il faut que j'aille là. Oh, t'aurais pu les faire dans ton inventaire, c'est tellement petit que ça se ah, fait. Ah d'accord. Des bâtons. Alors, est-ce que j'ai du bois de sapin? Déjà,
Tu vois, parce que j'imagine qu'il va me falloir... Devenons gamme vert. Des bâtons. Oui. Qu'est-ce que... Non, mais intuitivement, Rebecca, tu prends des planches, tu veux faire des bâtons, tu fais quoi? Mais d'accord, mais il me faut des... Mais t'as des planches, déjà. D'accord. Voilà. Bah, juste en droit. Merde. Voilà. Non, pas autant. Ah ouais. Regarde. Voilà. Ok. Et deux planches, ça te fait quatre bâtons. Ok. Voilà. Et là, normalement, tu pourras te faire une houe. Mais c'est où? C'est là où? Dans les armes, je pense. Enfin, dans les outils, tu vois. Hache et voilà. Alors, deuxième ligne. Tic. Une houe en fer? Oh, on peut faire une houe en pierre, les gars. C'est bon, hein. Fais une houe en pierre. C'est où? Là. La houe en pierre. Ouais. C'est bon, on va pas dépenser du fer pour ça. On fait une houe en pierre. C'est pour jardiner, quoi. Ok. Donc, j'ai ça. Très bien. Bah, je troll pas du tout. Et après, tu vas pouvoir préparer de la terre pour pouvoir planter des trucs. Et alors, je peux faire ça à côté? Je pense, ouais. Fais-le à côté de l'eau. Sélectionne ta houe. À côté de l'eau? Bah, comme ça, elle sera irriguée. C'est beau. Merci. Donc, je prends ma houe. C'est une pioche. Voilà. Clique droit. Ouais. Je sais pas, hein, je fais nimp. Hein. La terre est prête pour planter des graines dedans. Tiens, tiens, comme par hasard. Sauf quand elle récupère de la superficie, là, effectivement. Là, tu vois, c'est déjà trop tard. Ah bon? Oui. Tu vois bien que ça n'a pas la même épaisseur que celle de droite que tu as fait un peu plus tard. Et donc, il faut que je fasse vite? Oui, fais là. Ouais. Bravo, progrès réalisé. Prends-en de la graine. De la graine. Tu refasses un coup de houe, sinon. L'eau est gelée. Ah. Effectivement, c'est pas faux. Bon, c'est pas grave, ça va pousser quand même, non? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une houe, là, tout de suite? Non, on a fait une houe en pierre, ça va. Et puis, c'est pour se nourrir, quoi. Histoire de faire un stock de bouffe. Quand elle reviendra, elle aura de la bouffe, peut-être. Attention à ne pas sauter sur tes champs. Très bonne remarque de la part de Lone Wolf. Bon, ça suffit, ça? Classe la glace un peu. Ah, on peut casser la glace? Avec quoi? Avec la pioche? Fais-le avec ta pioche en pierre, plutôt. Tu l'abîmeras pas. Enfin, tu abîmeras pas ta pioche en fer, comme ça. Et va taper la... Non, ça, c'est de la neige, Rebecca. Mais c'est pas ça qu'il me disait. Je pense qu'il parlait de la glace. Mais c'est où, la glace? C'est dehors? Bah, c'est ça, je pense, là. Essaie de la péter un peu. Voilà. Okay. Qu'est-ce que ça fait de l'eau? Des bulles. Ça va? Ouais, comme ouais. Ça ouais, oui, pourquoi pas. Moi, j'enlève la neige. Là, ça va pas irriguer. Ah! Oui! Ça va... Ah si, regarde, là, c'est irrigué, regarde, tu vois. Tu vois que la terre, elle est de couleurs différentes là-bas. Ok. J'ai un trou. Ça va, ma cartographie grower. À part quand OBS plante, sinon ça va. Et du coup, ils sont là, waouh, l'eau! Parce que j'ai mis des shaders jolis pour madame, quand même. Parce que sinon, elle dit, oui, mais c'est moche, ça sert à rien. Faut casser la glace. Faut briser la glace. Ça va regeler, c'est vrai? Pour le moment, ça va, ça regèle pas. Bon, bah, on va voir, hein. Si j'ai de la nourriture. Si t'as des betteraves à manger. Je suis pas sûr que ça nourrisse beaucoup, les betteraves. Faudrait mieux planter des carottes, mais bon. Pose une torche pour que ça fonde. Ah ouais? Ok. Oh là là, mais vous êtes fous, les gars. T'as encore des torches, toi? Ah oui, là, 63. Ok. Mais genre où? Wow. Genre... Ouais, à côté des... Là ouais, là, ouais. Clique droit. Cours. Non? Ah, voilà. Une source d'eau pour 4-4 tours. Donc, une source d'eau pour 4... Parfait, a dit Visitor G. Voilà. C'est bien, hein? C'est vrai que là, du coup, ça va jamais regeler. Non. Bon, les enfants, je vous laisse, Dini, Link. Rebond, 4e anniversaire de live. C'était très drôle et sympa. Bonne fin de stream et bonne nuit d'avance. Merci beaucoup, Dini Link. Merci de nous avoir suivis. Là, ils veulent tous que tu ailles miner, Rebecca. Putain, ils mais les plus, gars, hein. Mais... Là, tu plantes des betteraves, ils en ont rien à foutre. Ils veulent de l'action, là. Ils veulent du minage, qu'on croise des sorcières, des squelettes, des zombies, des araignées. Mais il va faire nuit, là. Faut que je me recouche, non? Putain, c'est journée nulle que tu te tapes, Rebecca. Ma vie a travaillé. Très bien, donc... Mais elle a pas assez de bouffe pour aller miner, comment elle va faire quand elle sera en sous-sol là-bas? Bon, je vous laisse gérer, écoutez, hein, voilà. Non mais oh, et oh, et oh, et oh, et oh! Et oh, et oh. Y'a des chips ou pas? Si, dis donc, Bob. Ça suffit. Non mais ils veulent me tuer, en fait. Trois bouts de pain, ça suffit? Bon, bah d'accord. Question optimisation. Bon, c'est vous qui voyez. Eh ben, allez-y, hein, je vous laisse gérer. Bon, il va faire nuit, cependant, mais... Bah oui, c'est ce que je disais. Putain, pourquoi on est sur une terre arctique, quoi? Y'a pas de chips dans Minecraft! Oh là là! Et de la viande! Ah, c'est vrai qu'il y a de la viande, pardon. My bad, y'a de la viande dans l'inventaire, c'est vrai. Mm-hmm. Mm-hmm. Dans ta maison, creuse un escalier, dit Rower Music. Quoi? Pourquoi faire? Bah, il faut aller miner, en profondeur. Ah ouais, mais il faut que je fasse ça chez moi? Non, tu fais ça où tu veux, mais au moins t'es à l'abri, quoi.
Pioche en... Alors c'est plutôt une pelle qu'il faudrait pour creuser dans la terre et une pioche pour creuser dans la terre, dans la roche. Tu peux faire une pioche en pierre si tu veux, dans un établi. J'en ai une autre. J'en ai une pioche en pierre. Pardon, une pelle. Excuse-moi. Chez toi, t'es à l'abri. Ouais. Si tu fermes la porte, évidemment. Voilà. Alors. 83, on a toujours pas miné. Ouais. Ah oh bah ça va. Ah hein. Oh, les gens quoi, ils veulent tout de suite tout ils là. Ils veulent voilà. tout de suite. Après, pense à rendre les tunnels assez éclairés, sinon ça spawn. Oui. Vide ton inventaire avant de partir dans un coffre, dit Freya. Ok, mais donc. Tu peux faire Shift et cliquer sur un truc, ça le met dans l'inventaire. Non, pas ça, c'est Tab, Rebecca. Shift, c'est majuscule. Garde la viande, ouais. L'os, ça servira à quelque chose. Oui, ça servira éventuellement. L'épée en bois, je la garde au cas où pour les pâtes. Si vraiment t'es dans la merde, ouais. C'est ça. Mais vraiment, si vraiment, vraiment t'es dans la merde, hein. Tu pourras virer le cuir, je pense. Garde les planches, oui, quand même. Ça aurait été bien qu'elle prenne un petit peu de son charbon qui reste dans le fourneau, quand même, si elle veut se refaire des torches en plus. Ça, c'est de la laine noire. Là ? C'est bien de crafter et mettre vite des escaliers. Les monstres spawnent pas sur les escaliers. Ah, je savais pas qu'ils spawnaient pas sur les escaliers. Ouais, non, mais attends, vous allez lui faire crafter des escaliers, là ? Si t'en mets une grenouille au nether et qu'elle mange un cube de magma, elle chie une lumière, c'est bon ? Quoi ? T'avais... Quoi ? T'avais déjà dit cette phrase, Jimmy ? J'ai pas compris. Une grenouille au nether et qu'elle mange un cube de magma, chie une lumière. C'est possible ça ? Un stack de torches ça suffit. Ok, Rower, ça marche. Moi je pense qu'il me troll en fait. J'ai 61 torches. Ça évite de gâcher des torches. Ah, c'est vrai, Vitorgé, c'est vrai. De quoi ? C'est juste un fait. Ah, d'accord, mais je ne savais pas, Jimmy. Je crois que je vais lancer Minecraft pour faire un tuto à Becky. Bah vas-y, écoute. Hein. Si tu la mets dans ta main gauche, ça éclaire. Oui, ça éclaire, mais ça empêche pas les spawns. Main gauche. Ça va là ? Y a des trucs. Oui, à ça me semble bien. La boussole ne te servira pas tout de suite, mais bon, je pense. Après les torches. Mais pourquoi il l'a lancé ? Bah parce que t'appuies sur un bouton qui fait que ça lance. Mais c'est quoi lancer ? A. Je sais même pas. T'as fait A sans faire exprès. Voilà. D'accord, c'est A, c'est. Mais putain. T'as fait E. Les torches sont plus simples à craft que les escaliers. Oui, je pense aussi, Lone Wolf. Encore ouais. En live, j'ai des anniversaires des 4 ans. Merci beaucoup, Robinson au bord de l'eau. Ok, donc j'ai ça. Et donc bah, là, j'ai pas mis une possibilité. C'est le ou que tu as, c'est pas une pelle. Merde. C'est pas grave. C'est juste que les outils que tu utilises pas contre les bonnes surfaces s'usent plus vite. Bah oui, me doute. Voilà. Essaye de pas creuser en direction de l'eau, sinon tu vas te. Ah, mais je sais pas où est l'eau, elle. Bah, dehors dans ta maison, tu te rappelles pas ? Okay. Tiens, sous le lit, là, c'est bien, non ? Ouais, bien sûr, ouais. Je sais pas où je vais. Ça se trouve, je vais me noyer, les gars. Je sais pas comment faire. Non, c'était pas une bonne idée de faire ça. Si ? Pas du tout. Genre, tu vois. On va peut-être te faire garder une torche dans ta main gauche histoire que tu sois tout le temps éclairé. Si tu veux faire E, je vais te montrer comment faire. Tu cliques sur ton stack de torches. Mmh. Ouais. Tu fais clic droit sur ton bouclier ici. Mais non. Pardon. Non. J'ai trempé une torche dans ta main gauche, mais sinon tout va bien. Voilà, voilà. Comme ça, moi, t'as tout le temps une torche à ta main gauche et t'es tout le temps éclairé. Okay. Mais la luminosité à fond, elle est au plus bas là. C'est possible, mais je crois que c'est les shaders qui font ça, Rower. Ah, ça lui rajoute du suspense, non ? En théorie, il disait qu'il fallait que tu creuses en ligne droite, mais... Mais comment ? Mais où ? Mais en ligne droite, comment ? Vers le sol ? Non, c'est ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu descends en escalier, dit Rower. Non, mais ça veut rien dire. 31 torches dans la main gauche, ça se transforme en torche humaine, c'est ça. Pas vers l'eau. Bon, on verra bien, écoute, Rower, hein. Mais je sais pas où est l'eau. Au pire, elle fera un virage. Bah, si t'as pas le sens de l'orientation, on est pas rien. Mais je sais plus où il est, là. Ah, ça, c'est déjà de la pierre, Rebecca. Ça va être de l'andésite ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Bon, ça ressemble à de la terre, mais tu vois, ça se casse pas tout de suite. Donc, faudra prendre une pioche pour casser ça. Appuie sur F3. Ah ouais ? Ouais, super. Bah voilà, prends les infos que tu veux. Voilà. Creuse avec ta pioche en pierre histoire d'économiser ta pioche en fer. C'est ce qu'elle fait, magnifique. Oh là là ! Ça veut dire que c'est de l'eau ? Non, c'est de la pierre.
Mais elle est bizarre cette pierre. En dessous de la pierre. Alors que nous avons les puristes, F3 dit non, truelle dit F3 c'est de la triche. Ça te permet de repérer où t'es sur la carte si jamais tu te perds. Oh là là. C'est de la pierre pure, nous dit Rower. Oh là là. Enfin pure. La pierre à l'état brut quoi. Pas ce qu'ils appellent de la cobble. Des sortes de pavés, de la pierre en amas, en gravat comme ça. Elle est pierreuse cette pierre. Ah, ça c'est du gravier, faudrait le péter avec de la pelle. Ah ouais? Ouais. Pelle comme le dernier que j'ai? Ouais. Mais c'est pas normal. Bah c'est du gravier en fait, c'est plus meuble que de la pierre, donc y a pas, on pelte du, tu vois, du gravier. Oh non, du gravier. Ouais, alors par contre on peut se noyer dans le gravier, c'est-à-dire si tu creuses sous du gravier et qu'il tombe dessus, tu oui, te noies dans du gravier. Je vois ça, oui. Voilà, le gravier comme le sable il tombe, tu vois, il a une gravité alors que la pierre elle reste. Si tu creuses sous la. Ah, ça c'est de la pierre. C'est subtil mais ça se voit. Mais oh quand, là là, voilà, oh. Quand t'as l'œil ça se voit, quand t'as pas l'œil tu fais bah c'est de la pierre non. Bonne nuit Frédéric, merci beaucoup, de beaux rêves à toi. Bisous. J'avais une prof en école primaire qui se nommait Madame Gravier. Très bien. Combien faut-il de nains pour creuser en 2 jours un tunnel de 28 mètres dans du granit? On n'avait pas déjà eu cette. Y avait pas une vidéo là-dessus là, hyper longue entre. Les gens qui faisaient les rotations pour les nourrir, ceux qui surveillaient, etc. C'était une vidéo hyper longue de 12 minutes, là non, 15 minutes. Des 159 blocs vers le bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah elle est... Oh, waouh ! Elle est colorée. Peut-être tu pourras à un moment donné un jour mettre une torche quelque part pour éclairer, en plus, avant qu'on ait des méchants qui spawnent dans ton cul. Voilà, par exemple. Parce que là, tu vois, là où il fait noir, il y a des méchants qui peuvent spawner. Voilà. Admettons. Laisse-le, c'est du cuivre. Pourquoi faut que je le laisse? Parce que ça sert à rien, le cuivre, c'est esthétique. Ah d'accord. Voilà. Bah c'est d'accord. Non, c'est pas de l'or. Bien essayé Robinson, c'est pas là, de l'or. Là c'est plutôt pioche, pelle. Pierre, pioche. Bah c'est pas drôle de miner. Nox il dit inutile, nul le cuivre. Maintenant, tu peux beaucoup les espacer, les torches. Les monstres spawnent moins facilement qu'avant. Ah, c'est cool, Visiteur G. Oui, parce que tu es encore tombé sur une cave. Tu n'es pas encore tombé sur une cave. Ok, d'accord. C'est bien, hein? Putain, sérieux, c'est ça, votre jeu? Les gars, va falloir que vous redoubliez votre générosité pour vendre Minecraft à Becky, hein. Ça, pour le moment, le gameplay fait pas rêver, hein. Putain, ouais, vas-y, mine, c'est génial, vas-y, regarde, que c'est trop bien. Et ils étaient tous excités l'idée que t'as miné, hein, Rebecca. Mais comment? Non, mais ils disent, bah, c'est le début, c'est bon, là. Alors, Becky, la redstone. Oh non, les gars, commencez pas avec la redstone, hein. Oh, putain. Alors, objectif, coder Minecraft dans Minecraft, ok? On veut jouer à Minecraft dans Minecraft. Bien sûr. Voilà. Eh, voilà. C'est passionnant, les gars. Ouais. C'est... Petite voilà. Torche, peut-être. Oui. J'y ai pensé. Ouais, super. J'aime bien ce que vous faites. Super. Ouh là là, mais elle est presque morte, ma pioche. Ah, ta pioche en fer, ça y est, elle est morte, oui, effectivement. Et du coup, bon. La pioche en fer. Mais elle durera plus longtemps, ta pioche en fer, mais voilà. Hein. Mais c'est dommage. Objectif porte automatique. Oh, bah, porte automatique, tu fais une dalle, c'est bon. En vrai. Tu fais une dalle en bois et puis ça fait une porte automatique. On entend peut-être pas la même chose par porte automatique. Utilise ton autre pioche en pierre dans ton inventaire, je crois, dit Rower. Une pelle. Pioche en fer. Fer dans ton inventaire, pas dans ta main, dans ton inventaire. Est-ce que j'en ai une autre? Ah ouais, j'en ai plein en fait. Mais oui. Putain, ils ont l'œil, les gars. Mais oui, non mais attends, tu crois quoi là? Ils font pas semblant eux, hein? C'est toujours du cuivre, on s'en branle. Ouais. Objectif, réseau ferroviaire automatisé. Putain. Freya qui dit fait dodo pour de bon, je tiens plus. Bonne fin de live à tous. Merci beaucoup Freya. Freya, des bisous. À la prochaine. Si elle veut faire une map un jour, il va. Ah zut, j'ai pas eu le temps de lire le message. Dommage. J'ai mon PC à côté. Non, pareil, il remonte pas assez haut. Ah bon? Ouais. Putain, sérieux. Avec ta perruque, c'est hilarant. Merci. Bye bye à ceux qui s'en vont. Alors, voyons voir. Je vais essayer de me laisser le chat sur le téléphone, moi, ici. Bah, sinon, il y a le mien, là. Ouais, mais c'est loin. Non, mais c'est ouais, bon, bah, je... Non, mais je m'en fous, moi, j'ai pas besoin de ça. Non, mais j'ai monté. Ça va, hein, Rebecca? Bon, d'accord. Je crois que Struel veut qu'on change de chapeau.
Ah ouais, on bon, change. Bah vas-y, change de... je vais faire ça. Merci de m'occuper, Truelle, c'est gentil. Genre, tu t'ennuies. Bah non, mais je suis inactif, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que les torches, au bout d'un moment, elles se consument? Non. Non. C'est trop cheaté, quoi. C'est fou, ton chat, il est temps à la bourre. Ah, bah, si tu lui lis les messages, parce qu'elle lit pas le chat. Rebecca, lis-nous. Oui, je te lis, Rower, tu existes. 3 ans plus tard, je continue de miner. Alors. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, mais miner, t'as raison, ça sert à rien. Rien de spécial, écoute. Tu peux faire F3. Ah, pardon, tu peux faire F3. Là, 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 là. Voilà, vous avez vu? Là, là, là. Waouh, qu'est-ce que c'est, Rebecca? Eh ben, ça doit être une nouvelle pierre. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, mine là. Non, mais avec cette... voilà. Avec une pioche, oui. Je sais pas ce que j'ai pris. Bon, bah, ça doit être du chat... Non, c'est pas du lapin. J'ai miné du lapin. Ah, du lapin. Incroyable, elle a miné du lapin. Non. C'est du charbon, effectivement. Cherchez une autre perruque, si vous permettez. Oui, pour moi aussi. Hein. Hop là. Oh là là, c'est mignon. Je vais mettre ma préférée. Ah ouais, mais elle gratte un peu ta préférée. Oui, mais c'est ma préférée. T'es niveau 31. Waouh, je suis niveau 31, c'est incroyable. Non, t'es niveau 6, mais... Les diams spawnent en dessous de 16. Je sais pas, c'est Visitor G, il dit que je suis niveau 31. Mais ah, au niveau, à la hauteur, pardon. Tu veux quoi, toi, Rebecca? M'en fous, donne-moi un truc. Ah! Ah! C'était quoi, ça? J'ai pas vu. Je sais pas, il y a eu un bruit horrible. La tête de Truelle. Ah! Tiens, mets ta perruque. C'est rien, t'inquiète, non mais oh. Oh, c'est rien, t'inquiète. Oh, attends, il y a un truc là qui... Qui va me manger, là. Vous vous rappelez pas de vos premières parties, vous? Ça veut dire qu'il y a une cave pas loin. Continue, dit Rower. Putain. C'est les voisins. C'est juste des bruits ambiants d'une cave, dit Jimmy. Putain, t'aurais pas pu me le donner dans le bon... Pardon. Déjà, ce serait bien de trouver une grotte plutôt que se focus sur le diamant. C'est vrai qu'une grotte, ça pourrait être bien, déjà. Non, mais... Ça venait de la droite, dit Lone Wolf. Putain, mais sérieux, vous avez entendu ça, vous? Non, mais Rebecca, tu as affaire à des experts. Le monde entier est expert de Minecraft. Ils ont juste un peu abusé sur l'ambiance d'une cave. Oui, ça, moi, la première fois que j'ai entendu une cave, j'ai flippé. J'ai fait comme Becky, j'ai fait « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais ils vont me tuer. Attends, c'est vrai que c'est flippant, tu sais pas, quoi. Expert de rien du tout. Bah, d'autant plus qu'on l'entend plus, là. Alors, voilà. Alors bravo, alors là, l'ambiance est plus d'ambiance. Bon, je prends ça, mais je sais pas si c'est bien. Hein. Ah, si, de toute façon, le charbon, tu feras des torches avec, ça te sert de combustible dans tes fourneaux, ça sert. Hein. Ah, j'aurais fait un petit coup de F3. Mais comme dit Truelle, c'est triché, effectivement, parce que du coup, tu sais à quelle profondeur t'es, alors que. Bon, voilà, faudrait le faire au pif, quoi. Bon, bah, il n'y a plus par là. Descends encore, dit Rower. Par là? Descends encore, dit Rower. Je sais pas, hein, je vais n'importe où, moi. Hein. Plus bas! Plus bas! Creuse! 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 On va mettre une petite torche. Ça va, ils sont calmes, écoute. Il n'y a rien dans le jeu qui indique la profondeur? Ben, comme outil, je crois pas, Truelle. Mine! Non, comme outil, ça, je crois pas. Hein. Ça me dit rien. C'est dommage, ils auraient pu faire un petit quelque chose, quoi. Non, mais oui, mais F3, c'est pas, ça fait pas partie du jeu. Ah c'est, ouais c'est, ben non, ça fait pas partie du jeu en lui-même, je veux dire. C'est pas une boussole, c'est pas une carte, tu vois. C'est pas un outil que tu craftes. C'est t'accèdes au code du jeu qui te permet d'avoir des infos. C'est une autre. C'est du cuivre, ça. Rebecca. Ça ressemble du cuivre, non, quand même. Le cuivre, c'est vert et orange. Là, tu récupérais du... Lapin! Mais non. Du fer brut. Du fer brut. Mais c'est génial, du fer brut, Rebecca. Tu vas pouvoir te faire une armure, peut-être. Comme ça, si tu croises des méchants, tu seras plus forte. Bravo! Non, Robinson, toujours pas de l'or. Robinson, il voit de l'or partout. De l'or! C'est de l'or, j'ai trouvé! Ah non, c'est du fer. Pardon! Pardon, excusez-moi! Fausse alerte! Non, pardon, fausse alerte! C'est du fer. Pardon, j'ai encore biglé. Excusez-moi.
C'est bien le fer. C'est vrai qu'un outil pour rester RP, ça pourrait être cool. Ben ouais, visiteur G, ce serait cool, quoi. Un altimètre, un truc comme ça, je suis d'accord, Truel, je suis d'accord avec toi. Pour rester RP, quoi. F3, c'est en partie triché, quoi. C'est pas vraiment dans le jeu en lui-même, quoi. Ok. Non, mais peut-être que ça a un aspect méditatif, hein, de faire ça. Moi, je trouve, hein. Surtout quand t'as la musique qui se lance au bout d'un moment, t'étais dans le silence, puis d'un seul coup... Clon, 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 clon. Et puis t'es là, t'es tout seul, tu sais que, à part un squelette ou un zombie, personne ne vient te faire chier. Déjà à partir de là. Génial. Elle se retourne, elle fait. Il fait noir quand même. Oui. Après, t'as aucune raison de devoir savoir ta couche normalement si tu joues en RP. Bah, sauf si tu cherches, effectivement, et tu sais que le minerai spawn à telle profondeur dans la terre, ça peut être intéressant de savoir à combien de mètres tu es sous terre, même en RP. C'est un peu dommage que la musique soit pas tout le temps présente. Eh ben. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord, parce que du coup la musique est rare, et du coup quand elle arrive tu fais « Ah oh, oui, la musique !» Alors si elle était tout le temps, tu ferais « Oui, bah la musique de fond, quoi. » Alors que là... Du granit, c'est bien le granit ? C'est esthétique. D'accord, c'est ça. Tu vas pas faire des bottes en granit, c'est pas une bonne idée. C'est pour ça que j'ai retiré la musique du jeu, perso. Pourquoi ? Parce que t'aimais pas la musique du jeu ? Pour mettre une musique en permanence autre chose ? Minecraft, c'est un peu le précurseur de la ASMR. Ah, avec Bob Ross. Si ça fait ce bruit-là, c'est que c'est du gravier. Donc c'est nul. Bah, il vaut mieux piocher avec une pelle, creuser avec une pelle si c'est du gravier. Avec une pioche si c'est de la pierre. Car elle n'est pas tout le temps là, alors autant écouter autre chose. Bah oui, ça, c'est, je comprends les deux. Ouais, mais jouer sans aucune musique comme ça, c'est très perturbant. Eh ben ouais. Au bout d'un moment, tu rentres dans ton truc, t'entends les bruits ambiants, etc. Quand il y a des cavernes ou des mobs autour. Alors que si t'écoutes la musique à fond de balle, t'entends pas s'il y a des mobs ou voilà quoi, des ennemis autour. Là, t'es obligé de tendre l'oreille. Et c'est très RP finalement. Bon, du coup, quand la musique se lance, c'est plus du tout RP. Mais moi, j'aime bien. Après, ça fait vraiment la bouffée d'oxygène quand la musique se lance. C'est trop beau. Bon, allez où cette cave là ? On va la trouver, dit Rower. Après, je peux vous mettre. Oh ! Encore une pioche en pierre dans ton inventaire. Si jamais. Après, tant que t'as des bâtons et de la pierre, hein, tu peux crafter des pioches en pierre. Hein. Mais une pioche en fer, ça creuse beaucoup plus rapidement. Fous les boules! C'est pas gentil de faire ça! Va vers la droite, dit Rower. Donc là, vers là où t'as entendu le bruit. C'est vrai que c'est contre-intuitif, hein. La première fois que j'ai entendu ça, je fais... Faut pas aller par là, les gars. Becky qui creuse vers la Moria. Vas-y, dit Nox. Tu m'étonnes, on va tomber sur un truc immense, voilà. Laissez laminer la bedrock si elle a envie, si elle y arrive, c'est ça. Bedrock, c'est la toute dernière couche tout en bas qu'on peut pas creuser. Ah. C'est la croûte terrestre dure que tu peux pas miner. Dans un espace si restreint, je suis pas sûr que ça puisse spawner. Je sais pas du tout. Je connais pas les règles. Écoute, moi c'est déjà pour y voir plus clair. Déjà. Ça c'est du Si ça fait c'est que c'est du gravier. Bah c'est si nul. Ça fait c'est que c'est de la pierre. Vas-y, essaye. Bah ça se prend. Non. Faut de la pelle alors. Non, c'est de la pierre. C'est du pas du granit, mais je sais plus quel. Non, des hits, je sais plus ce que c'est. Tu vois ? Ça fait coucou coucou. Et bah coucou. Heureusement que tu peux pas miner en mode créatif, c'est un coup à tomber dans le vide. Ah. Comment ça ? Ah oui, non, oui, effectivement, tu peux pas miner la bedrock, sinon oui, tu tombes, bah voilà. Apprends le cri des minéraux avec Cloud, c'est ça. La bedrock, oui, pardon, j'ai compris après l'unwall, excuse-moi. Effectivement, donc coucou coucou, ou alors coucou. Même un peu bizarre. J'ai entendu. J'ai entendu un petit bruit. Bâtard! Ah le salaud! Ça a bien marché, tu as vu le mouvement de souris. Oh, il y avait du fer là-haut. Ah non, c'est du cuivre, pardon. Oui, merci Julien. Putain! J'ai eu le temps de baisser le son. Bravo, 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 bravo. Ah, ça c'est plus chaud. Oh, c'est vrai que t'avais chopé autre chose là. Je sais pas ce que c'était comme pierre ça. C'était quoi ce bloc là? De là, c'est à droite là. Silex? En dessous? Non, en dessous. De la pierre des abîmes. Il faut quoi pour la pierre des abîmes? Je sais pas. Mais non, me connais. Mais Rebecca, t'as jeté ta pioche. C'est... Là, tu arrives tout en bas. D'accord. Ne pioche jamais en dessous de toi. Pianist Mary! Pianist Mary! Hello. Welcome, guys! La fameuse pierre qui apparaît vers la couche 0. Eh ben, t'es vraiment très profond, Rebecca.
Welcome here, we are celebrating our... We are celebrating our 4 year of streaming, and Becky is lost on Minecraft because she has never played Minecraft in her life. So she's playing for the second time. Woo woo, Pianist Mary! We are friends. Pose des torches vite, dit Rower. Bonsoir! So we are friends musicians. We play folk music on Twitch twice a week. On Tuesday and on Saturday, and today we are streaming a 12-hour long stream to celebrate our 4 year on Twitch. And we are at the end of this stream, and we are playing Minecraft for Becky, because she never played Becky ever, and she found a cave, and she's afraid now. Yeah. And we... La mort approche, dit Ruel. Quoi? Putain, mais j'entends des bruits. Mais creuse tout droit pour te protéger si tu veux. Là, prends ta pioche et puis enfonce-toi là-dedans. Ah, ils arrivent, Rebecca. Ah. Congratulations on your anniversary. Best of luck for the future, lovely people. Thanks a lot. Becky est une débutante. Ah. Exactement. Becky is a beginner on. Putain, tous les bruits me font peur maintenant. Sorry. Ne te retourne pas, dis au revoir. T'es un bande de bâtards. Yeah, she's... Au-dessus de toi. Mais méfie-toi si tu casses au-dessus de toi. J'espère que c'est bien. Ouais, parce que si ça avait été du gravier, tu finissais noyé. Oh, mais y a que des bruits bizarres. Tu peux prendre de la pierre et boucher les trous si jamais quelqu'un te poursuit, tu vois, dans un tunnel. Mm-hmm. Tu peux prendre de la terre ou de la pierre ou ce que tu veux, faire croucrouc. Et puis voilà quoi. Pour manger ça, je fais quoi? Non, ça vaut clic coup. Droit. Oui, on va dire oui. Voilà, ouais. J'entends une araignée. Oh là 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 là. Minecraft in French, it doesn't seem different. No, it's not. We hope you spend a nice stream with Pianist Mary. Thanks a lot for the raid, Pianist Mary. We have neighbors and it's 4, almost 5 a.m. here in France. So we cannot play music at this time of the morning. So you won't be able to hear the music that we do. But trust us, we like to play music and it's our job. If you want to follow, we'll be happy to find you on our next stream on Tuesday for some more music. La pauvre, elle va finir par creuser avec les ongles. Thanks for the follow, Nightmare Joker. Oh, de la musique. Oh, yes, the music. Beautiful music. Do you play some Minecraft music, Pianist Mary? Fais en sorte de pouvoir remonter, dit Lone Wolf. Ouais. Descends dans la cave, dit Rower. Ma bande de salauds, là. Rejoins ton tunnel, dit Lone Wolf. And the chat is backseating Becky because she doesn't know how to play. So the chat has the mission to guide Becky through Minecraft. Je vous préviens, si je meurs, c'est de votre faute, hein. Ah, la musique est bien. Oh, la musique est tellement bien. C'est vraiment de l'eau dans un oasis au milieu du désert. Truel, la musique dans Minecraft. Oh, j'ai peur quand tu recules, je sais pas le vide qu'il y a derrière toi ou pas. Non, mais là, je suis dans une... Ouais. C'est quoi? It would be a waste if I learned no French while here. How do you say you both seem very welcoming and are both clearly quite attractive? Oh, thanks a lot. Thank you. We have wigs, but thanks. Let me just read your message again. How do you say you both seem well? Vous, oh, it's a quite complicated sentence. You both seem very welcoming. I'm trying to translate it in a simpler way. Vous êtes accueillant? Vous. Oh, oui. Yes. Vous êtes accueillant? Arme ton épée, ton courage et vas-y. Retourne où tu étais, dit Rower. Yes, it's been a long time. Because it's very rare to have a very late stream. Yeah, we are very glad to see you. Thank you, now, Pianist Mary. Thanks a lot for the raid. You are very, you might say you are very welcoming, so vous êtes accueillant. Accueillant is welcoming. Accueil is welcome. Vous êtes accueillant, and can we say, can I simplify this into you are welcoming and beautiful? Because otherwise it would be quite difficult. If I try to translate it literally, it would be vous semblez très accueillant et tous les deux très attractifs. Yeah, attractive. Très attractif. Attrayant. Oui, mais... Comment? Tous les deux très très séduisants. Séductive. Vous avez l'air très accueillant et plutôt mignon.
Pas mal, Robinson. Vous avez l'air très accueillant et plutôt mignon. Ouais, Robinson, c'est bien. You can try the Robinson translation. Bon, ouais, parce que attractif, c'est pour une un endroit touristique, finalement. Rebecca, retourne où tu étais, là, c'est pas sûr que ça te mène quelque part, dit Rower. Oh non! Bah oui, mais faudrait que tu reprennes. Parce que là, pour retourner chez toi, bonjour maintenant, faut que tu retapes tout le chemin à la pioche, hein. Oui, mais bon, il y a des monstres là-bas. Bah, arme-toi de ton courage, comme il disait. Sinon, pioche là, à ta gauche, là. Essaye mais c'est quoi ce laser là-haut? Pas du laser, c'est de la lave. Mais je suis tombée d'en haut. Je fais comment, moi? Je sais pas. T'es tombée de très haut? Ah ouais, je crois, ouais. Ah! J'entends des bruits. Ou pose des cubes pour aller à ton chemin. Ouais, peut-être. The way, Simpson. Mets des blocs sous tes pieds. Ah oui, tu peux sauter et mettre des blocs sous tes pieds. Mais il y a quelqu'un, là. Ah ouais. Mais lui, la luminosité. Ok, attends, je vais lui mettre la luminosité. Je vois si je trouve. Sorry. Luminosité. Tu sautes pas en dessous. Mais non, mais les gars, mais je vais... si je fais ça, je meurs, les gars. Non, mais... Oh! Il y a un zombie, bah... Eh ben, allez à fond, c'est le shader qui est comme ça, Rower. La luminosité est à fond. Je vérifie, quand même. Option graphique, luminosité vive. Écoute, voilà. Ah oui, bah oui, je sais que j'ai raison. Il y a un monstre. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il y a des monstres, ça suffit. Ah, il y a des monstres. Je suis pas prête. Arrêtez ça tout de suite. On dirait un vieux qui ronfle. It's like an old person. Oh, c'est tombé de là-haut? Mais oui. Mais c'est tombé de super haut, Rebecca. Mais oui. Oh là là. Incroyable. Tu vois, tu pourrais sauter sur toi-même, faire clic droit pour remonter comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Moi, elle est tombée de si haut, mais vous déconnez. Ah, t'es tombée de là, ok. Écoutez, je fais... To the rescue. Cloud to the rescue. Voilà, Rebecca. Ah oui, moi j'ai peur des vieux qui ronflent. Allez, voilà. Bon, mais maintenant, j'en fais quoi, là? Je fais quoi? Je retourne... Ah, je sais pas. Moi, je t'ai remonté là-haut, maintenant, je laisse le chat se débrouiller. Hein, Faut que j'aille dormir? Oui, sexy, oui. Ah, dormir, oui. Un jour, ça peut être pas mal. Mais qui a peur des vieux qui ronflent? Ah oui. Oh, le stream lag un peu, quand même. Hein. Ah ouais? Effectivement. Parce que je lui demande trop de trucs. Peut-être. Bon, de toute façon, j'ai pas assez de pioches, là. Elles vont toutes niquer, là. J'en fasse des pioches. Can you sing? Yes, you have to craft some pickaxe. Une cave Minecraft égale un EHPAD. Exactement, tout oh à fait. Un escalier pour descendre dans la grotte, ça pourrait être bien, mais il faut crafter plein d'escaliers. Mais pourquoi pas, hein? Retourne dans la cave, Dinox. Non, mais attends, elle va crafter des pioches. Non, mais attends, j'ai plus de pioches, là. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Although we're apart, you're a part of my heart, and tonight you belong, you belong to me. Alors on va reconstruire la maison, hein, vous dites bien. Bloc de terre. Way down by the street, how sweet it will see once more, once more, just to dream in the moonlight. My honey, I know, with the dawn that you will be gone, but tonight you belong to me, just a little old me. Yeah. Oh là là. Pardon, hein, du coup. Ça t'a détendu, Rebecca? Are you more relaxed? It was quite stressful to be oh in that là cave. Oh là là. Tellement. So it's really stressful, yes. So I would like to. Va voir tes betteraves, dit Visiteur G. Oh gosh, yes. Is it the day? Where's the door? Alors, est-ce qu'elles sont ramassables? Je sais pas. Moi non plus. Celle de gauche, non. Celle de gauche, droite, non. Visiteur G, t'en dis quoi? Ramassable ou pas? Va voir tes betteraves. Jimmy dit non. À droite, oui, on est d'accord. Hein, ah. Regarde, elles ont l'air grosses. Hein. À droite. Ah bah écoute.
Donc, à droite, ils disent oui. Je fais un petit clic droit dessus, ça suffira. Un petit clic gauche avec ton arme. Ou avec un bloc de terre, un bloc de ça, si tu veux pas abîmer ton arme, jamais. Avec ça ? Oui, ça, voilà. Juste, tu tapes. Gauche. Voilà. Ouais, vas-y, refais. J'ai pas l'impression que t'as récupéré des betteraves, mais regarde ton inventaire. Si t'as récupéré que des graines, c'est qu'elles étaient pas prêtes. Bah, ça, je crois que j'avais déjà. Et ben, t'as récupéré que des graines, donc elles étaient pas prêtes. C'est non ! C'est Jimmy qui avait raison. Vous êtes tous nuls. Tu peux les replanter, du coup. Ah. Bah oui. Oui. Eh ouais, on aurait dû écouter Jimmy, hein. Non, mais. Les autres, vous foutez quoi, là ? Elles étaient pas cuites, là, les betteraves. Ouais, cuites, bon. Voilà. Clic droit. Yes. Ok. Nous, on tue des cochons. Ouais, c'est vrai, vous mangez pas des betteraves, vous. Eh oui, c'est des carnistes, qu'est-ce que tu veux. Ah, l'autre wolf a dit, je suis pas bien, je suis une bâtisseuse, moi. Alors. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Voilà. Moi, je fais une pioche. C'est pas là, c'est l'autre. T'as des bâtons, t'as plus assez de bâtons pour faire des pioches, Rebecca, c'est pour ça qu'il te le propose pas. C'est dans les outils, évidemment. Tu as une hache. Mais là, il y a que ça. Si tu fais ça. Ah, non. Bah, pourquoi. Ah, parce que t'es pas sur un établi, Rebecca. Mais ça, c'est ça. Clique droit sur l'établi. Là. Voilà. D'accord. Donc, la pioche, il te faut plus de bâtons. Ça. Voilà. Alors, comment je fais du bâton déjà? Avec des planches. Avec des planches. Donc, il me faut des planches que j'ai trouvées. Putain, je sais plus. Ça. Comment je fais déjà? Attends, comment je fais pour. Voilà. J'avoue qu'on va bientôt sortir les croissants. Bah là, tellement. Oh, monsieur Chaussette, c'est encore possible d'accélérer la pousse avec la poussière d'os. Oui, tout à fait, c'est encore, encore possible, monsieur Chaussette. Si jamais tu prends tes os que tu avais dans ton inventaire, que tu les mets dans un établi et que tu les transformes en poudre d'os, tu peux t'en servir d'engrais et ça fait pousser plus vite tes plantes. Je backseat. Oh, dis-donc, c'est incroyable. Planche. Ok. J'ai eu un gros freeze. Ah, un gros Mister Freeze. Donc maintenant, il me faut ma pioche en fer. On n'a pas eu de drop de frame ici, en tout cas, Visiteur G. Pourquoi t'as repris des boules de neige ? J'ai pas repris, j'en avais déjà. D'accord. Bah, je pense dehors, tu sais, quand... je pense aussi. Attends, peut-être que je peux en faire... Cuit le fer, Dinox ! Si seulement on pouvait se livrer le petit-déj. Ah, se faire livrer, ouais, effectivement, ouais. L'étape des caves qui font cher, ouais, non, là, pour l'instant, c'est absolument pas intéressant, on est d'accord, hein. Hop là. Ah, ça, c'est d'où il a eu aussi un freeze. Bah écoutez, je ne sais pas, peut-être. Ici, ça a l'air d'aller, en tout cas. Peut-être Twitch ou la connexion Internet. D'accord. Quoi d'autre? Deux. J'en ai deux. Fondre le fer quand tu seras dans ton fourneau. Fondre le fer. Je prends ton minerai de fer brut. Je prends... attends, c'est quoi le minerai de fer brut? C'est ça? Oui. Tu as une boulangerie au bout de ma rue, envie de croissant, au chocolat. Eh ouais. C'est pas intéressant car tu n'y es pas allé dans les caves, mais si, j'ai eu peur. La pauvre. J'étais traumatisée. Et puis le shader est bien fait, donc la cave, elle est dans le noir, tu vois. Alors que le jeu original, tu vois dans la cave en vrai. Tu vois ce qu'il y a, tandis que là, vu que c'est, bah, c'est beau, et du coup, si tu veux, on enlève les shaders, hein, ce sera moche, mais tu verras partout. Ah ouais, mais non. Comme tu veux. C'est cheaté. Eh, bah non, parce que les shaders, c'est pas... Parce que là, ils peuvent lancer des screamers avec des... Ah bah là, oui. Avec des alertes. S'ils veulent te faire peur, ils peuvent te faire peur dans la cave, oui. Un peu comme Truelle et le Suffer. Putain, Truelle. Ah, la panique de la souris, évidemment. Putain. On reconnaît bien, hein. Ok. Voilà. Tu vas peut-être pouvoir te débarrasser d'une bonne partie de ta pierre que t'as chopée qui sert à rien dans un de tes coffres. Comme ça, au moins, ça va moins encombrer ton inventaire. Tu peux faire shift-click si jamais tu veux que ça aille directement dans ton inventaire. Majuscule-click. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Toute la pierre, en vrai. Garde juste un bloc peut-être de pierre pour pouvoir construire un truc si jamais t'es en galère. Mais de toute façon, tu vas recreuser certainement. Donc, L'objectif ce soir, c'est réduit à mettre un pied dans la cave, j'avoue, hein. Ça va, moi je l'ai cuit à 6h les croissants. Oh, le ch'ti suisse, tu es boulanger. Oh, granit. Ouah, balek. Gravier. Balek. Gravier, ça peut être bien pour générer du silex, mais on s'en fout pour le moment. Diorite. Ouais, diorite. Garde-toi un bloc de 64 de cobble, là, éventuellement, et puis voilà. C'est de la pierre, ça. Oui, c'est de la pierre, mais ça te permettra de construire des trucs. Viens les 34, là, ici, là, et puis... voilà, si jamais t'as besoin de poser des pierres au cas où, au moins t'en auras, quoi. Du coup, tout ce qui est comme ça, je peux laisser ou pas ou...
Je te dirais bien, si tu le t'en sers pas, garde ton tes lingots de fer dans ton coffre, parce que si tu meurs, au moins, voilà, tu pourras crafter un truc tout de suite. En vrai, tu pourrais commencer déjà... On pourrait lui crafter un truc en pierre, non? Vous voulez parfois faire quoi? Charbon. Charbon, si tu as besoin de refaire des torches quand tu es tout en bas, éventuellement. Mm-hmm. Oui, dit le ch'ti suisse pour la boulangerie, je présume. Ça marche pour tout... Non, c'est l'alerte spéciale de Truelle, le suffer, Cédo. C'est son alerte personnalisée parce que je sais plus. Je sais plus pourquoi. Bah oui, parce qu'il était malade à un moment donné, du coup je lui ai mis l'alerte You Suffer. Et depuis c'est parce resté. Parce qu'il était malade. Et oui, du coup il souffrait. Donc du coup je lui ai mis You Suffer. Ok. Et pourquoi j'ai crafté des bâtons? Pour pouvoir refaire des pioches. Et tu les as refaites tes pioches. Donc du coup c'est bon. Qu'est-ce qu'on lui fait faire avec du fer, mesdames et messieurs, les experts? Hein? On lui fait une meilleure armure? On lui fait une pioche en fer? Une deuxième pioche en fer? Un truc comme ça? Rien? Un bouclier, dit Jimmy. Ouh là là, le bouclier, les gars. Oui, on pourrait effectivement lui faire un bouclier. Pourquoi tu feras gaffe, tu creuses de la terre avec une pioche, mais bon. Ah merde, c'est vrai. Mais du coup, je l'ai plus, ma pelle? Je sais pas. Peut-être elle a cassé ta pelle. Oh, mais oui, mais t'as mal creusé, Rebecca. Mais ça me fait chier. Oui, mais mon appartement est trop petit. Comment je fais, moi, tu vois, hein? C'est vrai, je suis d'accord avec toi, il est trop petit. Le problème, c'est que là, si je mets de la terre, ça marche pas. Sinon, faut le creuser par là. Ouais, t'as raison, c'est dos. Faudrait une enclume, mais il faut beaucoup de fer. Putain, regarde, j'ai mon coffre. T'as ton coffre là, qui l'évite. Pète ce bol rempire là, c'est pas grave. Tant pis, faut que je pète le lit. Je peux péter le lit? Oui, il y a un deuxième lit, pète le lit. C'est bon. Avec quoi? En théorie, c'est une hache, mais c'est pas grave, ça marchera quand même. Avec mon Non, bah non, pas une hache. Avec ton bloc de terre, si tu veux. Ah ouais? Oui, vas-y. Je pense, hein. Clic gauche, évidemment. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah oh, putain, je peux. Ça m'a fait un nouveau truc. Bah, tu as un lit dans ton inventaire, tu pourras le poser si tu veux dormir ailleurs dans ta cave. Bah oui, par exemple là, en lit superposé. Non, ailleurs dans ta cave, pas dans ta maison. Je sais. Putain, c'est malin de dormir dans sa cave. La pelle est juste plus dans ta barre, dit Visiteur G. Tu peux ouvrir ton inventaire et la remettre dans ta main. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Visiteur G. J'ai un lit. Becky, elle se croit en prison à creuser sous le lit pour s'échapper. Tout à fait, oui, effectivement. Bon, le lit, je le vire. Non, je vais quand même le garder. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'elle garde le lit ou pour dormir en bas ou quelque chose comme genre, ça? Genre, tu vois, je vais à la cave comme ça avec mon lit. Oui, oui, bah un duvet, quoi, voilà. C'est ouf. Non, dit Nox Bob. Clique sur l'autre au cas où tu avais dormi. Sur celui que tu viens de casser, tu vas pas respawn dans ta maison. Ah, et Adma dit garde. Bon, bah tu croises qui tu veux. Bon, tu sais quoi, je dors un coup là. Ouais. Comme ça, je respawn là. D'accord. Mais t'avais déjà dormi là? Non, j'avais dormi dans l'autre. Ah oui, très bonne remarque. Ouh là 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 là. Il ne fait pas nuit. Allez, moi, je dors quand je veux. Non, ce serait terrible de dormir dans une cave entourée de bouteilles. Bon, toujours pas. Ah, si, là, elles ont l'air bien, les betteraves, là. Elles sont rouges. Moi, je pense qu'elles sont bonnes, ces betteraves-là. Hein. Ah, clic droit, suffit, ton respawn est mis. Ah, je savais pas. D'accord, je pensais qu'il fallait dormir absolument. Non, toujours pas Jimmy. Ok, on croit... Moi, je crois Jimmy, hein. Il avait bon la première fois. Je vais croire Jimmy pour la deuxième fois aussi. Le point de réapparition était défini. Ok, bah ça suffit, c'est bon, tu peux y aller, Rebecca. Pas obligé d'attendre la nuit. Je savais pas ça, vous savez. Juste droit, c'est bon. Ok. Ouais, apparemment. Bon, attention. Bon, on va leur faire confiance. Bah voilà, Rebecca, tu vois, t'as réglé ton problème, là. C'était écrit. Ah, ok, pardon, j'ai pas vu. Bon, et qu'est-ce que je fous dans cette cave? Le but, ça sert à quoi? Bah, trouver du fer et du diamant pour construire une pioche en diamant, pour pouvoir miner de l'obsidienne, pour pouvoir créer un portail pour aller dans le Nether. Mais il faut que je sois plus puissante, là. Vous êtes marrant, là. Je suis noob. C'est dangereux, votre histoire, là. Non, effectivement, Visiteur G. Ça sert à nourrir les monstres de la cave. Ouais, voilà, c'est ça. Dites-le, hein. Ah et voilà, et c'est là que c'est. Et c'est là qu'il faut pas te tomber tout droit. Oh putain, j'ai eu peur. C'est là que c'est la baie. Non, si mais l'objectif. L'armure en fer, c'est pas mal déjà en vrai comme objectif, parce que là sinon on y est jusqu'à 10h du matin. Hein. Parce que là, bon, alors du coup. Bah comment... tu peux creuser à côté, mais creuse jamais en dessous de toi si tu peux. Hein. Si tu t'accroupis, tu tombes pas. Ah ouais, si jamais tu fais accroupi et que tu t'avances vers le vide, tu tomberas pas. Tant que t'es resté appuyé sur contrôle et que tu t'avances dans le vide, tu tombes pas. Ok? Si jamais tu te sens pas à l'aise sur une plateforme et que t'as peur de tomber, tu t'accroupis et tu tomberas pas. À contrôle. Contrôle, oui. Contrôle, surtout contrôle, si jamais tu as peur de tomber quelque part. Voilà. Tant que tu creuses pas en dessous de toi, tu crains pas grand-chose, en vrai. Tu verras le vide arriver, quoi, mais... Ouais, mais des fois, le vide, c'est pas clair, hein. Ah, des fois, le vide, c'est trouble. Tu vois, c'est... J'ai peur, j'ai tellement peur que tu mines en dessous de toi, Rebecca. Contrôle, c'est s'accroupir. Chez nous, en tout cas, c'est majuscule pour courir, chez nous.
Faut que tu récupères une pioche, s'il te plaît, Rebecca, tu vas péter ta pioche. Ah ouais. Quoi cette musique de ces morts, là? Une petite basse différente, à un moment donné. Bah, musique... Ah d'accord, ok, Rower. C'est la musique hyper inquiétante, là. N'hésitez pas évidemment à redéfinir les objectifs pour Rebecca, hein, si vous voulez que ce soit clair dans sa tête. Bah moi, il me semblerait que... Oh! C'est quoi comme pierre, ça? Ouais, la musique est un peu dissonante. Rower, il dit, l'objectif, c'est rentrer dans la cave. Mais l'avantage dans une cave, c'est que t'as des grands murs. Ouh là là! Ah, il faut une pioche en fer pour ça, ils disent. Ça s'appelle de la redstone et c'est fait pour faire des mécanismes, dit Visitor G. Si t'avais pas miné avec ta pioche en fer, t'aurais cassé le bloc sans récupérer la redstone. D'accord. Voilà. Je traduis, hein, je fais un résumé du chat, hein, vous permettez. Hein. Oui, Adma qui doit beaucoup aimer la redstone, je présume. C'est avec ça qu'on peut coder Minecraft dans Minecraft. Ouh, là c'est le vide par ouais, contre après. C'est hein. Le vide après. Évidemment. Je remettrai des petits blocs de terre. Ah, ok. Mais non, pas toi, connasse. Vous êtes encore debout? Bah oui, on fait un live de plus de 12 heures, c'est le but. je construis des villages entiers labyrinthiques, dit Adma. Je fais des cadres au mur et je fais toute la map de la région. Oh là là. Eh, les nouvelles musiques sont belles hein, aussi. Hein. En l'occurrence, on est assis, c'est vrai, Jimmy, c'est vrai. On est debout mais assis. Et vous avez vu comment naturellement elle a adopté la technique de minage deux par deux? Ouais. Non mais je veux dire... tu vois? C'est un instinct finalement. C'est surtout qu'on voit plus large quoi. Ouais ouais bien sûr. Et oui deux par deux c'est bien mieux. Non mais ça, hein, vous avez même pas backcité, elle a tout de suite toute seule comme ça. Hein. Vous êtes pas 6, vous êtes que 2. Vous êtes pas 6, vous êtes que 2. En tout cas, on aura passé un bon live des 4 ans. Hein. Ça a été bien varié comme programme. Merde, c'est la pioche en pierre qu'il faut que je prenne du coup. Oui, toi aussi, ça t'a surpris, Artisan de Zakai, tout à l'heure, l'exemple de Gartic Phone. Alors, mettez un truc un petit peu absurde, genre une femme intelligente au théâtre. Quoi? Pardon? Putain, j'étais tellement choqué. Une femme intelligente au théâtre. Mais qu'est-ce que non, quoi? Non, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est un truc un peu chaud à dire. Oui, à dessiner, je en fait. Sais bien, mais bon. Mais bon, c'est vrai que c'était. C'était très bizarre. C'était très très maladroit, on va dire. C'est tout ce qu'elle a trouvé pour retarder l'inévitable cave, effectivement. Ben, au moins, je fais. Qu'est-ce que c'est? Il veut pas. Bah, il veut, mais c'est bon, c'est dur comme pierre, quoi. C'est une pièce en pierre, c'est compliqué. Une pioche en pierre. Une pierre en pierre. Une pierre en pierre. Ouais. C'est de pire en pire. Mmh. On est en ligne depuis 13h, l'air de rien. On a c'est dépassé tout. Les 12h, mesdames et messieurs. Ah ouais. Et là, elle va tomber sur une autre cave encore pire. Non mais sérieux, la cave, elle est à gauche, là, de toute façon. Non mais il y a des caves partout, après. Mais le but d'une cave, c'est que tu vois des grands pans de mur et que tu vois tout de suite s'il y a du minerai ou pas et que tu peux miner tout de suite ce minerai-là et tu... Voilà, quoi. Après, tu mets des torches un peu partout, tu butes les mobs et puis voilà. Quoi, faut buter les mobs aussi? Oh, il y a plus de musique, vite. Comment? Ça représente quoi le vert dans ma barre, en dessous de ma barre de vie? C'est ta barre d'XP. Et les vêtements, c'est l'armure, c'est à quel point je suis stuffée en fait. C'est à quel point tu as de la défense effectivement. Ouais, donc c'est les points de défense on va dire. Je suis un peu caca boudin, on est d'accord. Hein. Bonne nuit Adma. Bonne nuit. Ça doit faire 12 heures que je suis en live, la vache.
En live, je veux dire, t'es en live là en même temps, c'est tout? Ou t'es en train de regarder des streams? Finalement, ça te gêne qu'il y ait plus de musique? Non, mais oui, ça, dans l'absolu, ça me gêne aussi parce que j'aime bien avoir un peu de musique. Ah, ça fait 12 heures que tu regardes Twitch. Hop là! Mais en même temps, bon, après, parce que je suis pas en train de jouer. Ouais, du fer! Youpi. Alors attends, du coup, pour le fer, il faut l'autre pioche. Non, ça marche. C'est pour les autres minerais encore plus nobles qu'il faut une autre pioche. Ouais, du fer, plein de fer! Sur Twitch, pas en live. Ah voilà, pardon. C'est dos, ok. Non mais comme ça, quand il y a des screamers, truels, on est encore plus flippé. Quand il n'y a pas de musique. Ouah, plein de fer, Rebecca, c'est bon, tu vas te faire ton armure, on va aller se coucher. Ah, c'est le bon. T'as des bruits, des fois, je sais pas. Non mais c'est toi qui marche par terre. Oui. Ah, bien essayé, Jimmy, mais c'est l'alerte personnalisée de Maugas. Tu peux faire un meu assez court, si tu veux. Exclamation me comme une vache, sans les 3 U. Mais le me, il est réservé à Maugas. Eh, je sais. Ça aurait fait un petit screamer sympa, mais... On va s'y attendre. Ah, hydrate now. Ben, on a fini tout le jus de pomme avec les bulles, là. Non, mais on a du thé. C'est vrai. Le thé, tu l'as ? Oui, je l'ai, le thé. Vas-y. C'est ta life. Faut pas être sub pour les alertes sonores. Si, en plus, faut être sub. Donc, de toute façon, ce serait pas sorti. Bien vu, Truel. Moi, je rêve d'un bot qui pourrait répondre ça, tu vois. Qui pourrait dire, alors bien, mais par contre, les alertes sonores sont réservées aux abonnés. Et les bots que j'ai, ils font pas ça. Ils font pas ce genre de précision. Et c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui ont pas la rêve, finalement. Ils se disent, mais c'est quoi ce son de... Et puis je sais même pas qu'est-ce qu'il faudrait taper sur YouTube pour trouver la ref. Genre Brazilian, Exercise, Voice, tu vois. Je sais pas. C'est un vieux Brésilien qui fait des tutos vocaux et bon. Eh ben, vous avez entendu le son quoi, donc voilà. Il fait une gamme de plus en plus aiguë, sauf qu'il chante tout le temps la même note. Et cette note, c'est... Voilà. Vous avez la ref désormais. Tiens, Rebecca. Petit couinement. Ça queen. Empty spaces. Ça queen. Voilà. Alors c'est sûr que Minecraft, tu vois déjà que c'est que des pixels, alors si tu mines... Ah bah après, là c'est au début, si tu veux, ça dépend ce que tu veux faire, mais il faut connaître les objectifs. Mais quand tu découvres tout, effectivement, c'est sympa. Tu devais pas aller un peu plus à gauche? Ah bon? Pourquoi? Bah parce que la cave elle est à gauche. Ah, c'est pour ça. Bah là j'ai déjà bien creusé plus profond. Elle a trouvé du fer déjà, c'est pas mal. Pour retrouver la cave, mais elle veut pas y aller. Après ce serait plus pratique qu'elle soit en bas de la cave, c'est sûr, hein, mais... Pétition pour qu'elle aille dans la cave, dit Jimmy. Non mais ils veulent que je crève, les gars. Ouais. Moi j'ai ça, eu peur, ouais. Moi j'ai eu peur, mais... En même temps tu cherches une cave alors que tu en avais trouvé une. Ouais. Non mais elle sait pas pourquoi elle cherche une cave encore. Elle a pas encore trouvé de cave. Donc elle voit pas l'avantage de trouver une cave. Le cri nul. Il est trop bien ce cri nul. J'ai rebaissé les prix Truel des alertes qui font peur en vrai. Un sondage. Alors là pour convaincre la dame malgré un sondage, bon courage hein. Non mais tu vas dans la... Ouais bah voilà. Elle est là la cave. Bah, il s'en est peut-être une autre. Oui. Ah là ? Ah, j'ai entendu. Bon, d'accord. Bah, je sais pas, moi. Vous l'avez entendu où, vous, la cave ? Ah. J'ai tellement peur qu'il y ait un mob là qui pop là-dedans. Non, mais en vrai, les mobs, ils peuvent passer que s'il y a deux blocs de libre. Donc, tu lui remets un bloc devant, par terre, et puis voilà. Ah ! Mais t'as pas reconnu le son de la pioche cassée. Qui fait clink ! Je peux essayer de retrouver la vidéo du meu si vous voulez. J'ai découvert la ref il y a pas. Si tu veux éduquer le reste du chat, tu que marche au ciel, tu peux. Un sondage, vu qu'elle a peur des vieux qui ronflent. Un sondage. Bravo. Lone Wolf, très créatif pour les jeux de mots. Non, mais comme ça, on trouve plus de fer. Tu fais une armure. Et mission accomplie. Et c'est plié. Eh oui. D'où l'intérêt de trouver une. Voilà. Une cave. Après, au pire, tu te fais poursuivre, tu reviens dans ton tunnel, tu bouges ton tunnel et puis ils viennent pas, c'est pas grave. Il faut déjà que j'ai le réflexe de boucher mon tunnel. Et bien, tu scrolles sur un bloc et puis tu fais clic droit, et puis voilà. Bon, tu risques de te planter, de faire clic gauche, et puis voilà. Mais... Tu te souviens de la dernière fois. Oui. Il y avait un archer squelette, c'était la fin du monde.
Bah t'as un peu paniqué, t'as pas pu remonter. Je t'ai dit bah toi, et tu m'as fait non, je veux pas me battre. Et t'as pas pu remonter, donc t'es obligé de lui mettre des coups et puis il est mort finalement. Mais oui, c'était très drôle ça. Merci Luc Marcheciel. Évidemment, le lien que vous voyez, c'est l'origine de la rêve du me. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer, vous allez vous taper des barres certainement. Enfin, on a peut-être pas tous le même humour, hein, c'est vrai, mais voilà. Si vous la regardez en entier, bah déjà bon courage. Et puis, nous, on s'est tapé des barres à l'époque là-dessus. C'est tellement impensable. Le mec, il est premier degré, hein, c'est-à-dire il se pense coach vocal et qu'il pense qu'il a une tessiture, une largeur de voix incroyable. Et puis, ben, regardez la vidéo. Voilà. Putain, j'entends des bruits, mais c'est toi qui bois, quoi. Ouais, voilà. Attends, je peux faire le zombie. Attends. Ouais. Je l'ai pas très bien fait. C'est une révélation. Ah, tu vois. Putain, on apprend des trucs, là. Comment elle fait l'araignée? Putain, mais c'est pas là qu'il y avait la cave, bordel. Wow. Ah, je le fais moins bien qu'avant. Et il ponctue par bueno à la fin quand même, hein. Bueno. Le zombie il fait pas meuh, le zombie il fait clunk clunk clunk, non? L'araignée elle dit gully. Ah c'est vrai. Mais ça c'est les beatboxers, tu vois, ils ont tout de suite le moyen mnémotechnique, tu vois. Effectivement l'araignée elle dit gully, elle fait un truc comme ça. Mais Gulli murmurait, tu vois. Genre, c'est un secret, scène post-apocalyptique, le monde s'est terminé, et puis deux personnages se parlent au fond d'une cave. C'était quoi ta chaîne télévision préférée? Moi, c'était Gulli. Voilà, tu vois. Et là, on fait le son de... Voilà. Tu crois qu'elle se dit ça, les... L'alerte word gagnée, tu vas la faire... Oh, ça serait drôle, mais non, je vais partager une vidéo où il y a tous les sons français de Worms, deuxième opus. Et la personne choisira les trois qui lui plaisent le plus. Ping mou, ping mou, ping mou. Pas plus haut, pas plus aigu, la même note tout le long. Mais j'aimerais bien la faire moi-même, Truelle. J'aime beaucoup les voix de Worms. Non, il change jamais de note, artisan. Non, mais c'est un coup à se taper des barres. Hein, c'est voilà. Donc nous, on a fait une alerte sonore. Vous avez le me qui est court et le me final qui est extrêmement long. Il est à Maugas. Oh là là! Traître! Tout ça, c'est toute mon enfance, ça. Vengeance! Y'a pas de fer. Hein. Là, j'avoue, Rebecca, je sais pas où t'es, mais c'est la misère absolue. Putain, y'a rien, quoi. Y'a du pixel, quoi, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans Minecraft? Ben, je casse du pixel. Pixel, ouais, mais parce que tu veux pas aller dans les caves aussi, Rebecca. Mais j'y vais, là, mais je sais pas, pourtant, c'est le bon côté. Eh non. C'est honteux. Alors voilà, c'est ça, Minecraft. Du pixel, quoi. Voilà, je veux une bombe Alléluia, là. On s'est bien marré sur Worms quand même, hein, tout à l'heure. Tu voudras pas la prochaine fois qu'on fait un live événement comme ça, Truelle, tu nous rejoins sur Worms, si tu veux. Ça pourrait être sympa. Je trouve qu'on s'est bien marré. T'es en train de passer en dessous. Ah bah oui, t'as, en fait. En dessous. Mais c'est à dire que elle est pas non plus omniprésente, la cave. C'est à dire qu'il y a peut-être une cave. Elle était devant toi, mais vu non, que t'as continué à creuser. Bah oui. Bah au bout d'un moment, elle est pas infinie la cave, hein, donc ça se trouve elle passe en dessous. Mais voilà, c'est ça. Non mais sérieux. Bah ça peut, hein. Mais non. Ouais. Oh là là, mais je fais quoi là? Bon, au pire, tu remontes et tu. Non, dis qu'il y avait de l'eau. Moi, j'ai entendu un truc aussi. Ah, il y a de l'eau, t'as raison, Rebecca. Bah oui, mais alors c'est où? C'est là? Là, hein, d'accord. Hein. Tu crois que je vais me noyer? Bah, tu reculeras vite et tu remonteras, quoi. L'eau, elle vient pas instantanément, elle fait clouk. Clouk. Non, c'est un vrai son dans le jeu. Creuse vers l'eau, ouais, pour un. Ça, a priori, c'est le son d'une mine, pas d'une mine, d'une... Comment on appelle ça? Bah si, une mine avec des chariots. Une vraie mine, tu sais, une mine à l'ancienne, quoi. Abandonnée? Une mine abandonnée, ouais. Bon, là, par contre, c'est la merde, hein, mais... Ah bon? La dernière fois que je suis allé dans une mine abandonnée, moi, je me suis fait latter la gueule. Pour trouver la cave. Ah oui, creuse vers l'eau pour trouver la cave. Pour que tu descends encore. Oui, tu peux creuser en ligne droite, hein, t'es pas obligé de descendre. Ah, je sais pas, moi, par principe. Ah, vous lui avez déminé, elle descend, hein, du coup. Hein. Ne descend plus, dit Rower. Ah bah oui, dites-lui des trucs, sinon... Rebecca, tu lui dis, elle creuse, hein. Elle déconne pas, hein. Bah, bon, je connais pas le jeu, hein. Bientôt, t'auras plus de pioche, mais elle creuse, hein.
Il n'y a plus d'eau. L'eau, elle est là. Je dirais qu'elle est là, moi. Je l'entends au-dessus, l'eau, mais bon. Ah, niveau spatialisation, moi, je l'entends au-dessus, bizarrement. Mais bon, après, j'entends des sons n'importe où dans PUBG, donc je vais rien dire. Au-dessus, mais je vais pas creuser au-dessus. Non, mais genre, tu reviens un petit peu, là, comme ça, et puis tu fais un petit contour, quoi, au pire. Ou tu remets des blocs, et puis tu creuses tout droit, c'est pas grave. Tu remets des blocs là, puis tu traces tout droit. Bon, ça va te faire quelques blocs à poser, mais... Mais oui. Bon, c'est pas grave, t'as creusé en ligne droite, c'est pas grave. T'en as plein, des blocs de pierre, au moins tu vas t'en débarrasser. C'est là, oui. Oula, pour que tu restes appuyé, madame. Après, comme disait un homme sage, ils ont creusé avec trop d'habilité et trop profondément. J'ai pas la ref, mais je suis sûr que c'est très bien. Oui, je sais, faut pas faire ça, gna gna. C'est toi qui vois, tu apprendras tes propres leçons, Rebecca. Seigneur des Anneaux, ah mais oui. La mine de l'amour revient. Non, pas ma souris. Vous lui avez fait peur. C'est pas gentil. Elle a failli éclater ma souris sur le bureau. La pauvre. C'est pas gentil. Voilà, c'est à ça que sert l'absence de musique, Truelle. Putain. Et là, du coup, t'es désorienté. Du coup, je sais plus où on je vais. On est d'accord, voilà. Ben voilà. Ah, bravo. Putain. Oh, la musique qui revient. Je sais plus où je vais. Alors, attends. Ils sont où, ces sons-là? Ils sont dans un panneau qui s'appelle Sound Alerts. Si tu regardes sous le stream... est-ce que c'est sous le stream? Oh, dites-lui, les autres. Ah, même Rower, il a flippé. Putain. Non, mais vraiment, je sais plus ah, où ah, vu, pour Lone Wolf, parfait. Je sais plus où aller. Mais moi non plus, là. Eh, redites. Café. Comment ça, café? C'est du thé. J'entends plus l'eau. À droite. Là? On trace tout droit par là, puis on verra bien. Putain, mais merde. Ah, c'est habité par ici. C'est par là, on est d'accord. Hein. Bah là, oui, on a entendu un zombie, là. Ah. Mais putain. Par là, hein. Bonne nuit, Jimmy, merci beaucoup. Merci d'avoir tenu jusque-là. Cloud, mets-la en spectateur 3 secondes histoire de trouver la cave sinon. Oh, mais c'est triché! Ah, t'as plus de pioche, je crois. Pensez-lui! Bande de bâtards, sérieux, oh. Je vais vous ban quoi! Bon, j'ai plus de pioche. À part la salle en fer, c'est dommage. Bon, je retourne à la maison. À la face. Regarde! Regarde-les-moi qui se bidonnent, là. Putain, elle est vraiment des... Ah, mais ouais. La cave, elle est là. Elle est là, la cave, ouais. Mais bon. Ah. Bouge plus. Putain, elle est tombée dans le trou, quoi. Je n'aime pas ma vie. Mais pourtant, j'avais tout rebouché, non? Ah ouais, vas-y, là, ouais, c'est pas mal, ça. Ah non, non, t'avais commencé à creuser par là. Ah si, bah, est-ce que t'as remonté par là? Oui, c'est bon, si je repars là, mais putain. Non, c'est là que t'avais commencé à creuser, mais qu'on t'avait dit non, fais demi-tour, Rebecca, c'est pas par là. Tu vas pas t'en sortir par là. Visiteur G, il a dit PTDR. Putain, j'en peux plus. Je fais une crise cardiaque. Je sais même plus par où je dois rentrer. Oui, en plus, tu m'avais remonté. Ben, je t'avais fait un gros bloc pour remonter, Rebecca. T'es retombée. On aurait dû boucher le trou. Mais pourtant, je pensais que c'était... Ouais. Tu veux que je te fasse le rescue, Rebecca? Alors là, ne tombe pas. Je crois que c'est là-haut. Ouais. Ouais. Donc là, faut que je fasse. J'ai tellement le vertige comme ça. Ah, ouais, pourquoi pas. Sauter, clic droit. Surtout pas ZQSD ni rien, tu restes sur place. Et Rover, il dit, va dans la cage. T'as du... J'ai plus de pioche. T'as des blocs au-dessus de toi, tu peux pas faire ça. Et donc... Ouais, casse ça, là, au-dessus de toi. Là. Avec quoi? Avec ta pioche en fer, c'est bon, tu vas un peu l'abîmer, c'est pas grave. Ouais... Ouais. Putain, faut que je retourne. Tu peux te faire de la place, hein. Tu peux te faire de la place dans le mur si tu veux là. Voilà. Bonne fin de stream, Didran, merci beaucoup. Les lumières en bas, c'est peut-être ta mine, peut-être. Oh, non, c'est nous qui les avons mis, ces trucs-là. Non, c'est moi qui ai mis. Ah, XD, il a l'air nul, ce jeu, c'est quoi? Nous te souhaitons un joyeux anniversaire.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, Cédo, pour le joyeux 4 ans. Le changement d'ambiance incroyable. C'est un train de la hype. Hein. Mais oh là là, le train de la hype. Oh là 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 là, trop de crises cardiaques. Hein. Ah là là, il faut recliquer là. Ouais, oh Maouga, c'est lui qui a le melon. Pourquoi le jeu il revient pas? Je sais pas. Ah, le jeu il revient pas. Pourquoi j'ai pas beaucoup de cœur? Parce mais que alors... tu n'as pas assez mangé, Rebecca, du coup tu perds de la vie. Vu que j'allais dormir. Ah ouais? Bah là dans le jeu. Ah oui. Je me suis dit, bon, d'accord, c'est assez, assez violent comme transition, mais ok. Voilà. Il faut manger, Rebecca. Je te fais manger du pain. Hein. Je, voilà. Ouais, ouais, ouais. Cela, sinon, au secours. Hein. C'est lui qui a le melon. Voilà. Donc. Bon, je te sors de là, Rebecca, c'est bon, là. Mm-hmm. On va essayer de t'éviter ça, quand même. La souffrance. Alors, c'était par où, déjà? C'est parce que horreur, il veut que je me suicide. T'es fou, quoi. Mais surtout que là, avant qu'elle se fasse un accès pour aller à la cave qui est si profonde, les gars, on n'est pas rendu encore. Hein. Maintenant, non plus, j'ai voulu la contourner, mais en fait... C'est le métis dehors, Rebecca, qui fait ce bruit. Rebecca, elle a peur du tramway dehors. Fait, ah, c'est le bruit. Ils arrivent. Julien, ils arrivent. Essaye de te remonter, écoute. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est par où, déjà? C'est par là? C'est pour trouver des trucs plus intéressants. Oui, bah, oui, les oui. trucs plus intéressants, c'est aussi des méchants. Et je suis craftée comme une nouille, là, t'as vu? Craftée comme une nouille? Bah oui, regarde, j'ai rien, là. Stuffée comme une nouille, peut-être. Oui, stuffée comme une nouille. J'ai quasi rien, là. Je vais me faire buter en 2-2. J'ai un pauvre slot de défense, là. Qu'est-ce que je foute? La pauvre, elle a peur. Soyez compréhensif. Mais j'avoue, j'étais pareil, hein, au début. Non, mais oh, enfin, je sais pas, moi. Avant d'aller battre des ennemis, moi, je fais beaucoup d'heures de voilà de, pour être plus forte quoi. Bon, c'est évident quoi. Voilà. Mais est-ce que c'est là parce que tu sais bien, on avait creusé autre chose. Non, je crois. Les que méchants c'est peuvent être intéressants, on ne sait pas, on n'a pas essayé de leur parler. Ah, peut-être qu'ils sont gentils les méchants. Bon, on va essayer de bloquer ça là. Si, ça a l'air d'être par là. Hein. On est d'accord. Voilà, ne passe plus par là, Rebecca, s'il te plaît. Tiens, remonte. Arrête, ça veut rien dire parce que là, tu vois, moi, je vais. Je me dis, oh, c'est bon, il veut. Ouais, je peux passer par là. Ah, je suis crafté comme une nouille. Rebecca Art Attack. C'est un Pokémon, Rebecca Art Attack. Rebecca Art Attack. Ouais. Eh ouais. La pauvre, t'imagines pas, elle sait pas. Attends, vous faisiez les malins, vous, quand vous êtes rentré dans une cave? Moi, je connaissais des gens, ils étaient jamais sortis du mode créatif. Ils avaient trop peur de jouer en mode survie. C'est pas moi. Pas un zombie par là-bas, donc ça veut dire qu'il y a un espace assez grand pour qu'il y ait un zombie qui spawn. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de petite cave ou un grand passage par là. Putain, non mais ils sont horribles, ces sons. Hein. Ah bah tu vois, Lone Wolf, par exemple. Et non, moi, je sors pas du mode créatif, moi. Attends, on risque d'avoir peur, après. Tu es crafté comme une nouille. Mais j'ai eu fait du survie en multi. Ouais, en multi, ça va. Et c'est pas un jeu d'horreur, les gars. Mais ça marche quand même, Rebecca. Putain. Faut savoir que Rebecca, quand elle a peur, elle s'énerve, en général. La peur s'extériorise par la colère, donc ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ah là là. La flip, exactement. C'est où déjà? Je comprends plus. Ah si, quand on te voit jouer, c'est un jeu d'horreur, oui, soudain. C'est là, on est d'accord. Hein. Tu veux quoi? Bah des pioches. Ah bah non, ça c'est ton four. Nous on veut le tablier que t'as planté dans la terre là. C'est pas clair. C'est pas clair, t'as planté ta table de craft dans la pierre, dans la terre. Tu veux des pioches? Mm-hmm. Est-ce que t'as assez de bâtons? La pioche c'est ça. C'est pas oui, ça. Si c'est ça. Une pioche. Une autre pioche? Ouais. Ouais. Tu peux les empiler. Ah non. Bah non. J'ai rien dit. Pas les pioches. Attention aux insultes faciles. Ah oui, Gaël, toi-même tu sais, hein, toi tu étais là. Toi t'es un ancien de chez ancien. Tu as connu les streams Hollow Knight évidemment. Oh là là. Je rêve un jour, Rebecca, d'un immense dérush et d'un best-of Hollow Knight. Oh là là, là là. À l'époque on savait pas régler les compresseurs et que, du coup Rebecca elle gueulait, ça faisait saturer les micros. Mais les micros ils pleuraient. Ils coulaient comme ça. Ça c'était bien. Ah, je comprends, Lone Wolf. Ah, j'ai pas assez. Il me faut plus de... Vous avez loupé le train. Oh, le train de la hype est déjà parti depuis longtemps. Ne ratez pas son prochain passage. Pour Silksong. Ouais, Truelle aussi, effectivement.
Le dodo. Bon, là, tes betteraves, c'est bon, elles sont bonnes, là. C'est ce qu'on va voir. Mais non, putain. Bon. Jimmy, il est parti. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'elles sont bonnes. J'ai pu tester mes casse-couilles. Ah bah oui, tu m'étonnes. Le Wigo de la hype. Oui, c'est bon. Ouais. T'as récupéré une betterave. Celle-là, non. Les deux autres, oui, je pense. Tu pourras replanter direct si tu veux. Parce que du coup, tu récupères des betteraves et des graines. Ouais. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Merci de l'avoir sorti, parce que personne ne l'avait sorti avec les points de, avec les bits, celui-ci, dans la, le Sound Alerts. Voilà. En vrai, t'as tellement de graines, tu pourras en replanter d'autres. Hein. Putain, les cons. C'est bon, t'es dans ton village, là, ça va. C'est le sbeul, ce stream. Oh. Bon, voilà. Mash click si jamais tu veux te débarrasser des objets directement. Faut les cuire, les betteraves. C'est vrai, ça, visiteur jeu, on peut cuire les betteraves. Non, il peut pas le lancer lui tout seul, c'est juste qu'il y en avait suffisamment qui étaient lancés auparavant. Ouais, il a tenté d'en lancer un, et puis ça s'est lancé. Voilà. C'est juste que ça s'accumule, en fait. Il n'y a pas de, de longueur de temps qui fait que ça reset, je crois. Donc il y en avait peut-être déjà 6-7 qui étaient accumulés, et du coup, ben voilà. Hein. GG le réveil, Luc. Quoi de caouette, le pauvre. C'est qui, toi? Bon, t'as 3... 8 minerais de fer, là, on peut te faire une... Et plus 7 lingots, on peut te faire une armure, là, c'est bon. C'est où? Attends, c'est quoi qu'il faut que je remette là-haut? Là-haut? Il y a Artisan de Sakai qui demande si le toc-toc-toc est si bien que ça. Est-ce que toi, t'as le droit de le sortir avec... Ah non, t'es pas en tant que streamer, là. Voilà. On va réveiller certains. Merci. Ah oui, ah, je le dis celui-ci. Je le dis pour toi. Merci pour le follow. Ma grosse bite. Merci, merci pour le follow. Ça venait du fond du cœur. Ah ben là, mais il le veut, écoute, c'est normal. Écoute, il a 8 ans. Il faut bien qu'il rigole sur quelque chose. Le pauvre, comment il va faire sinon? La joie de la vie. Franchement... ça t'aurait plu la blague geek. Ah oui. Oh, il faut qu'on te... Ben voilà, tu attends, vois, j'ai 11 ans, évidemment. Il faut qu'on te la lise. Laquelle? C'était... Non, mais c'est... Ah, c'est... Voilà. Tu sais pourquoi les geeks sont fiers? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont une gigabit. Gigabit, les gigabits, tout ça, les gigas, les mégas, gigabits, tu comprends? J'ai 11 ans. Ah, il faut aller se coucher. Il est 5h30, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 11 ans d'âge mental, peut-être. Du coup, j'allais lire premier degré une blague, mais non. Mais non, c'est pas ça non plus. Mais non. Foudre de redstone, j'en ai 17. Et du coup, là, je peux le mettre dans mon inventaire. Je vais pas la crafter là. Je vais la perdre. Oui, oui, laisse-la là quand même. Charbon. Eh bien, je sais pas, Lone Wolf. Écoute, son recueil est absolument nul. Et en plus d'être nul, je pense qu'il ne parle pas. Ou alors, j'ai peur. Le jour où il va aborder les personnes féminines, je pense que ça va être. Bandé. Encore plus affligeant. Quoi? T'as dit bandé? Abordé, Rebecca. Non, calme-toi. Abordé, j'ai dit. C'est pourquoi les vendredis c'est calme. Non, fallait pas lire cette question, Rebecca. Parce que c'est cracra. Non, non, non. Mais je pense que ce sera peut-être la dernière réponse à ma grosse bite. 69. Ma grosse bite 69. Ah, parce là, que t'as le... compris. Parce que 69. Parce que le sexe. Eh oui. Alors donc du coup, tu penses? Parce qu'ils sont tous à la mosquée. D'accord, très bien ma grosse bite, super. J'ai pas compris, hein. C'était pas drôle. Hein. Est-ce qu'ils font encore les minicums ma grosse bite ou pas? Mais c'est pas de son âge. Ah oui, c'est vrai. C'est pas de sa gêner. Non, c'est vrai. Donc, tu veux quoi avec un? Ben, je veux faire le truc que t'as dit, mais y a pas assez. C'est quoi que j'ai dit? Une arme. Alors, une armure. On m'a dit il faut plus de lingots. Ben, il me faut plus de fer, mais comment je fais? Dans le four, Rebecca, tu l'as fait déjà 3 fois. Et c'est ça le four. C'est ça le four, clic droit. Tu mets, mais c'est pas le four, t'as fait E, Rebecca, t'as pas fait clic droit, ah, te fous pas de moi. Ça. Voilà. T'as fous pas de moi, t'as fait E. Je veux des lingots de fer. Oui, tout à fait. Bonjour Rouli, comment ça va? Ah, Rouli. Oui, il y en a aussi dans le coffre, tu peux récupérer tes lingots de fer dans le coffre, Rebecca, pour crafter d'autres trucs. Ah ouais. Merci beaucoup, Lone Wolf. Rebecca, quand elle voit le four, elle se voit dans le miroir. Vas-y, je mets tout là. Parce que tu es un four, Rebecca. Ah, il y a ma four. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Ça va toi sinon, ma grosse bite 69? Quand même.
Est-ce que... J'ai envie de dire c'est prétentieux quand même. Oui, c'est très prétentieux. Je pense que ça cache quelque chose. Pourtant, ça c'est pas. Vous êtes encore 64. Non, non, non. Il y a des cadavres de raid. Je ouais, pense que vous êtes 6 en vrai. ça va super bien, dit Rouli. Je prends mon petit déj avant d'aller à la salle de sport. Oh, voilà quelqu'un de courageux. Voilà quelqu'un qui vit la yes life. Vous êtes 7. Bah oui, vous êtes 7, évidemment, monsieur Chaussette. Chaussette, il est 7, évidemment. Il est sec. Ah là 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 là. 40 minutes de bus. Oh là là, bon courage. Tu viens de sortir du taf à 4h30. Ouais, ouais. Du coup, je m'ennuie. Ah bah oui, je vois ça, ouais. Ah ouais, du coup. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, mais viens, 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 on s'ennuie ensemble. Ceux qui prétendent avoir la plus grosse, ah bah oui, c'est les frites McKay, donc on connaît bien. 7, le dieu égyptien. Oui, pendant que les minerais cuisent, bah c'est, évidemment. C'est bon, c'est quasi bon. On va surtout faire attention de ne rien faire d'autre. On va faire des trucs. Oui, maintenant, ça y est, maintenant que t'as tout tes minerais. T'as récupéré les autres qui étaient dans oui, j'en ai 15. Et bah parfait, mets-toi sur ta table de craft, Rebecca. Voilà, table craft. Donc là, je peux faire un plastron de fer. Ainsi que des gens. Ah non, oui, je peux faire un plastron, effectivement. Et sinon. Bah, ils étaient tous là. Plastron, casque, jambière, pied. Vas-y, on fait ça, non. Ok. Tu as encore de quoi faire soit un casque, soit des jambières. Casque. Le casque, ok. Et. Jambières. Bah, non, tu peux plus, t'as plus assez de minerais de fer. Ah fuck. C'est le U à l'envers, tu sais bien, le U à l'envers qui fait un froc. Ah ouais. Eh oui, tu reconnais. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Putain, et Patrick du coup, Sébastien. Regarde, hop. Ouais. Bim. Et là. Et hop. Bim. Voilà. Et bim, 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 bim. Tu vois, là, j'ai encore de la terre. Bon, il faut pas qu'il tire joues, dans les parties, mais sinon, ça va. Ah ouais, ouais. Et c'est quand même mieux, là, non? Ah là, s'il tire dans le 69, t'es foutu, là. Hein. Eh ouais, ouais, ouais. Bon. Oui, j'ai que 2 lingots de fer, c'est la loose quand même. Et bien, pour faire des jambières, c'est compliqué. Il en manque 1, 2, 3, 4, 5. 5. Faudrait que tu retournes miner pour en trouver, tu vois. Non, mais c'est pas intéressant. Ben non, mais tu veux pas aller dans les caves. Parce que là, en plus, si je vais dans la cave, oui. Je perds mon équipement que je porte. Si tu redescends vite dans la cave, tu peux le récupérer. Si tu reviens à l'endroit où t'es morte, tu récupères, oh voilà. Là, par contre, si tu fais une chute de 600... Oui, si tu fais une chute, par contre, de 30 mètres, bon, c'est compliqué, quoi, pour y retourner. C'est marrant, c'est pas le dernier endroit que j'aurais protégé. C'est vrai, artisan. Mais ça, c'est les hommes, c'est normal. Ouais. Voilà, bon, bah, c'est bon, ton point de spawn, il est là. Tu veux te débarrasser de la pierre, peut-être, la remettre dans le... Non. T'en as pas tant que ça, si j'ai un petit peu trop. Ça. Ça, oui, voilà. Tu déconnes. Et ça, ouais, voilà. Tes boules de neige aussi, elles te serviront pas, je pense, hein. Moi, je conserve mes boules de neige avec mes pioches, tu vois. Merci, Rouli, c'est les 4 ans du stream. Merci beaucoup. On a fait un live de 13h, je pense, quelque chose comme ça, 13h30 maintenant. Ouais. Donc là, on termine tranquillou sur Becky qui découvre Minecraft pour la deuxième fois de sa vie, un an après la première fois. Et donc, c'est compliqué, hein, évidemment. Mm. Ah, alors que Luc Marcheciel jette une boule de neige dans la tronche de Maugas. Ok. Donc, bon. Alors, déjà là, ça va mieux déjà ta défense là. Mmh. Hop là. Je regarde l'API Treats, ça n'a pas l'air simple comme ça. Ah, si ça va en vrai. Bah, tu me diras si jamais il y a des trucs que t'as du mal à gérer, peut-être, artisan de Zakai, si je peux t'aider sur quoi que ce soit. Mmh. En privé, évidemment, cela par Twitch, ça va être compliqué, je pense. Champion de découverte de Minecraft aussi en ce moment. Ah, c'est vrai, Rouli, t'avais jamais joué toi non plus de ta vie? Je suis arrivé très en retard, mais toujours là. Ah, merci, Dani. N'oubliez pas, à la fin du stream, évidemment, on fera un moment, un slash moment, afin que vous récupériez votre 3e médaille du stream. De la journée. De la journée. Oui, je sais, mais... Oui, hein. Je, voilà. Donc, pas là. Après, je sais plus où c'était, moi, madame, hein. J'ai peut-être rebouché un endroit où tu passais, hein, donc... je sais plus. Typiquement. Bah sinon on recasse le bloc là, hein, mais bon... Comment on récupère la médaille? Au moment où on fait le slash moment, bah il y a quelque chose qui se met dans l'interface du chat, je crois, et ça te demande si tu veux récupérer le badge du moment. Je crois. Voilà, typiquement... J'ai tellement peur. Voilà, ça tu vois, ça c'est... Ça, et bah mets des blocs. Genre tu prends tes blocs de... Bon, t'en as que 2, mais... Tu vois, on le sent que c'est le vide. Moi ça me fait tellement le vertige quand je vois ça. Contrôle, hein, si tu veux pas tomber. Petite vérification de où est contrôle au cas où, quand même. Bah, des fois qu'il est bougé, le contrôle, tu vois. Et puis, bah, un clic droit. Ah, mais tu veux descendre quand même? Bah, je pense que c'est plus bas.
Non, moi je pensais que tu voulais reboucher. Bah je sais pas, à un moment ils veulent que j'aille à la cave. Ah, pas là, non, dit Monsieur Chaussette. Bah du coup faut que j'aille où? Je sais, je pense qu'il faut que t'ailles tout droit et que tu repartes à droite, mais... Ok. Tiens, mets-toi un bloc là. Clique droit. Hein. Non, un seul. T'es resté appuyé, oui, Rebecca. Bah, bon. Prends une pioche. Putain, l'enculé. Bon. Donc, pioche. Voilà, et puis tu retraces tout droit par là-bas. Je pense que c'était tout droit et à droite. Attends, t'as plein des torches, c'est bon, laisse-la là. Non, mais en fait, je posais un bloc de pierre. Ah, il faut que tu casses la torche si tu veux poser le bloc de pierre. Voilà. Ok, d'accord. Bon, je pense que c'était à droite après. Si tu vas pas tout droit et que tu tournes à droite, peut-être. Je suis pas sûr, hein. Ah. Si, c'était par là que t'étais descendu. Tu veux pas mettre un bloc de pierre là, à cet endroit, pour qu'on. Voilà, pour toujours qu'on bloque cet accès. Comme je disais, TryXD, Rebecca y a déjà joué il y a un an pendant le stream des 5555 followers. Et pas depuis. Donc ça fait un an qu'elle y a pas joué, donc elle a perdu tous les contrôles, et puis bah. Voilà quoi. Tu vois, on le voit que là, tu vois, il y a le. Ouais, 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 bien sûr. Mais ce qui est fou, c'est que. Oui. Ce qui serait intéressant, tu vois, c'est de voir en fait. Quand est-ce que t'arrives au sol? Bah oui. Tu peux faire quelque chose comme ça, pourquoi pas. Parce que là. Alors, tu vois bien où est ton bloc, si jamais il y a des problèmes, tu referas un mur devant toi, ok? Si jamais tu te prends une flèche, par exemple, d'un squelette qui serait en bas, bah oui, qui pourrait te voir, qui fait « Oh ! Bim ! Headshot !» Putain, mais c'est haut, quand même! C'est haut. Bah, les caves, c'est grand, hein, mais du coup, voilà. Mais moi, j'étais descendu là! Oui, mais après, faut trouver le bord de la cave. Elle est là, la cave, toi, t'es descendu tout droit par là-bas. Et la cave, elle était là. Avec une musique comme ça, on peut explorer des caves. Ouais. Tu vois, il y a du fer, là. Ça se voit, là. Voire même de l'or. C'est peut-être de l'or, ça, là-bas. Mets une petite torche qu'on y voit clair un peu, peut-être, quand même. Quelque part. Ouais, ça a l'air d'être de l'or. Ça ne servira pas à faire une armure tout de suite, hein, mais bon. De l'or suprême. Tu viens pas de répéter ta torche, par hasard? Ah non, c'est juste qu'elle est loin. Ok, ok, autant pour moi. C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau, Rebecca, tout va bien. Mais c'est... Bah, elle tombe d'en haut. Elle devait être coincée là. Mais, et puis, mais du coup, là, si... mais ça va... Non, non, ça va, ça coule en ligne droite, ça va. Si tu permets, on va te remettre une torche dans ta main droite, dans ta main gauche. Prends ça, clique gauche. Bon, clique droit ici. Quoi? T'en as mis 19 dans ta main gauche, je t'ai dit clic gauche, ensuite clic droit, t'as fait l'inverse. T'as fait deux fois clic droit, Rebecca. Voilà, comme ça t'en as qu'une, c'est bien. C'est mieux. Les paupières sont lourdes, je lutte, dit Rower. Ah là là là, tu peux utiliser l'eau pour descendre doucement. C'est vrai, Visitor G. Mais c'est pas une bonne idée, ça. Bah, elle va jamais réussir. Enfin, une fois qu'on va arriver en bas, ça va être la panique, les gars. Non mais c'est trop profond, là. C'est vrai que ça éloigne les mobs à l'arrivée, parce que du coup, ça, l'eau, elle se répand, et donc du coup, ils peuvent pas se rapprocher hyper près de l'eau directement. C'est un, voilà, un, pourquoi pas. Un jour, j'avais un mode qui faisait que l'eau inondait les endroits, c'était terrible mais joli. Ok, d'accord, ça doit être pas mal, effectivement. Tiens, en fait, je t'envoie un truc en MP Discord. Ça marche, artisan. Bon, je fais quoi, maintenant? Je sais pas. Ça pourrait, en fait, quand t'es dans de l'eau, tu peux nager dans l'eau. C'est-à-dire que si tu restes dans la colonne d'eau et que t'appuies sur espace, tu montes vers le haut, et si tu fais rien, tu tombes. Par contre, si t'avances et que tu recules, tu peux sortir de la colonne d'eau et tomber. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, une fois que t'es dedans, bah tu... Voilà quoi, tu te laisses porter pour descendre. Mais du coup, si jamais t'avances ou quoi, bah tu tombes. Hein. Donc voilà. Hein. Mais tu peux toujours te prendre une flèche. Oui, c'est possible. Donc bah sinon, bah tu continues à y aller de côté, puis voir si tu peux... voilà, hein, mais... c'est qui, c'est Rouli qui dit qu'il j'y vais? Eh ben bonne séance, Rouli. Merci. Merci beaucoup pour le joyeux anniversaire. Je vais raser les murs, tu vois. Putain, mais c'est vrai qu'il y a de l'eau juste au-dessus, quoi. Ouais. C'est vrai que je vais jamais passer, en fait. J'sais par pas. Là. Bah, c'est pas possible. Finalement, ma pizza, ça remplacera les croissants. Mais je vais perdre tous mes équipements. Merci, Kakassim13, pour le follow. Mais je peux pas. Oui, les ça. Croissants. Putain, mais c'est pas. Ah,
J'ai tellement envie de le faire pour toi, Rebecca, mais pour pas que tu paniques, mais bon. Mais surtout, on voit rien. Ouais. Tu peux essayer, si tu veux, de mettre... je sais pas, tu peux essayer de mettre une torche là, par exemple. Ça éclairera un petit peu plus. Ouais, non, je voulais dire là, mais... Voilà, ça en éclaire un peu plus, on y voit un peu. Mais c'est vrai que ça a l'air... Merde ! Putain ! Les voisins. Oh là là, le stress. Ah, je vous avais dit, hein, ça ressort en... Ah, mais là, il y a de l'eau, tu vois, là, ça y est, j'ai mis de l'eau partout. Là. Ah oui, t'as mis de l'eau partout, oui. Je sais pas qui a fait ça, mais... Salaud. Moi, c'est truel, putain. Au bord du vide. Au bord du vide, ça fait peur. Truel avec son pétard, avec son sandwich, là. Je me noie pas quand je vais dans l'eau. Au bout d'un moment, si tu restes longtemps, oui. Mais... Tu veux faire quoi, un sprint et tomber dans l'eau là, c'est ça? Bah non. C'est faisable, hein. Il est où, lui? C'est qui? Et c'est Michel. Il ronfle comme une vieille personne, tu sais, Rebecca. Ça... C'est possible qu'il y ait des mobs dans l'eau? Ah oui, enfin dans l'eau. Oh, ils doivent être en train de... Il y a des trucs là, non? Il y a des trucs là en bas. Il y en a 4! 1, 2, 3, 4! Putain, regarde! Ils sont 4! Ils m'attendent là comme des zombies de ouf! Oh! C'est vrai, ils sont là. Et voilà, et vous vouliez que je tombe. Putain, vous êtes tarés. Ils non, sont 3-4, après ils sont lents les zombies. Mais... Ah, tu les tapes, tu recules, mais après faut gérer quoi, mais bon. C'est pas eux qui explosent. Non, c'est pas eux. Par contre, il peut y en avoir d'autres qui explosent effectivement à côté, et eux tu les entends pas arriver. Ça c'est différent. Bon, et je suis pas tarée quand même, hein. Bon, bah creuse dans tes tunnels nuls et trouve du fer et puis qu'on en finisse, hein, c'est pas grave. Moi ça me va, hein, jouer la sécurité. J'aime pas trop me retrouver non plus catapulté dans des caves. Là, voilà. Je vais descendre et puis ils vont me cueillir, là. J'avoue, ils ont l'air de t'attendre un peu quand même. Hein. Effectivement, si t'entends, pshh, c'est que c'est trop tard. C'est que le creeper va t'exploser la gueule en général. Comment je peux faire pour descendre par là, tu vois? Par là, je sais pas. Visiteur G, il est cruel. Il est cruel. Si elle descend pas, continue à la punir, s'il te plaît. Non, mais toi, là, je te retiens. Ouais, tu peux courir, mais faut avoir le réflexe. Rebecca, elle connaît pas encore les sons. Elle va peut-être pas reconnaître un creeper qui est sur le point d'exploser. Ah non, 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 hein. Non, non. Bah, ça fait un bruit de mèche, tu vois. Si t'entends ça, il faut courir, madame. Parce que dans la seconde et demie, ça explose. Hum-hum. Mm-hmm. C'est déjà le vide, quoi. Oui. Oh. Moi, c'est ce qui me fait le plus flipper dans Minecraft, c'est le vide, en fait, surtout. Putain, tu peux tellement tomber, quoi. Ah oui, oui, oui. Puis en général, tu tombes. Ouais, ouais. C'est assez courant. Non mais, soldat Becky, sautez-moi dans ce trou immédiatement. Vous avez cru que votre armure était en dentelle? Putain, je vais les buter. L'assaut, le cœur vaillant. Ah là là, le fireworks il marche pas en jeu vidéo, désolé. Et des fois, en plus, en dessous du vide, il y a de la lave. Et là, tu perds tout ton équipement pour de vrai. Parce que tu peux pas les récupérer dans la lave, ils font ton équipement. Oh là là. Ah bah ils t'attendent tous là, ils sont là. Il y a tellement du bruit. Tu es prête Rebecca, il y aura certainement des bruits qui vont popper à un moment donné, hein. De la part de gens parfaitement bienveillants dans le chat, ne panique pas trop avec les coups de souris si t'es en train d'avancer. Voilà, par exemple. Bâtard ! Voilà, exactement. Voilà. Je vous déteste. Tu es prête Rebecca, d'accord ? On les connaît, on les connaît. Moi, ce qui me fait le plus peur, ce sont les creepers. Mais une c'est une chauve-souris, elle est pas méchante. En tant que bâtisseuse, mais je trouve les Enderman mignons. Oui, j'avais un skin d'Enderman avant le truc de... On se partage nos skins. J'ai pas... Voilà. Ah, ça, c'est autre chose, ça. Non, c'est un... C'est la même chose, c'est un zombie. Ils font trop du bruit. Oui. Vous êtes trop... Ha! Chut! Pardon. Ça me fait peur. Ah, pardon. Pardon, Pika. Oh là 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 là, mais c'est profond cette merde! Mets des torches là un peu là sur les côtés qu'on puisse y voir.
Et plante-en une quand même. Non, qu'elle reste un petit peu. Mais c'est tellement profond. Mais comment je vais remonter? En plus, dans la panique, tu vois, je vais tellement remonter en. Tu vois? Ah oui, oui. Te remonter puis faire. Ah! Ouais, ouais, ça va tellement être. Tu vois? Putain. Même les alertes de Rissom, elles font peur, artisan. Au secours! Merci, artisan, pour le rissol. De la caille. 7 mois. 7 mois. Pour poser un caillou, c'est à droite, hein. Bon, c'est le clic droit, si c'est ta question, pour poser un caillou. Mais il faut qu'il y ait du. Ouais. Un support pour le poser ton caillou. Ouais. Après, il y a des techniques pour poser des cailloux dessous toi dans le vide, mais c'est un peu périlleux. Faut y aller en reculons avec la touche contrôle enfoncée. Bon. Ouais, après, sinon tu vas petit à petit comme ça, et puis voilà. Hein. Genre, t'en mets un sur le côté. Ouh. Non, c'est un reflet dans l'eau, je crois. T'en mets un sur le côté ici, là, comme ça. Enfin, tu le mets là. Voilà. Après, à un moment donné, si tu leur donnes accès, les zombies vont monter, hein, mais voilà. En fait, je sais pas si c'est les textures ou si c'est des bonhommes, quoi. Bah, essaye de mettre d'autres torches encore. Mais là, j'avoue, ils sont beaucoup quand même. Ouais, tu as l'impression qu'ils sont beaucoup. Oh, et bah, ils ont 4, comme t'avais vu, hein. Tu peux pas en planter une en face, là, de torches ? Si, voilà. Qu'on y voit un peu quand même quelque chose. En fait, quand tu vois, remonte un tout petit peu ta souris. Tu vois, quand le carré a un contour noir, c'est que tu peux. Ils ont l'air si près, n'est-ce pas, Truel ? Alors que non, enfin là, je les vois pas. Je pense qu'ils sont tous en dessous, là. Hein. En vrai. Ils doivent être là, ils t'attendent. Ah, ben voilà, tu vois, c'est exactement ça. Ah. Ils sont là. Si t'avais des flèches, tu pourrais leur tirer des flèches, mais c'est pas ouais, le cas. Mais j'en ai pas. Oh, le hurlement, il était mais horrible. D'autant plus que là, oui. Je vais essayer, mais après je vais courir, je vais faire. Ah, je oui, sais oui, pas oui, où oui. Aller. Et tu vas te perdre après. Oh, putain. Oui, et dans le noir, et je vais me perdre dans le noir. Ouais, 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 ouais. On vit des émotions, hein, Rebecca. Putain. Hein. Là, c'est pas des émotions. Là, j'ai l'heure d'essayer de Benjamin Biolay, Rebecca. Putain. Ah, je sais pas qui c'est qui assume pas, mais il était bien le 500 là. Le cri horrible. Il y en a vraiment des horribles dans le. Dans le Sound Alert, c'est fait exprès pour les jeux qui font peur normalement. Alors, je sais que dans la panique, tu vas pas y penser quand tu vas devoir taper, mais en vrai, spammer le taper, ça fait pas le maximum de dégâts. En vrai, il faudrait que tu tapes et que tu attendes que la barre se recharge de ton épée quand ça s'affiche ici, quand tu tapes, tu vois. Va faire taper, 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 et non pas. Parce que tu fais que des tout petits coups quand tu fais ça. Mais Minecraft, ça fait peur. Maou Maougas. Crise cardiaque. Merci pour le resub, Maougas. 25 mois. 2 ans et 1 mois. Merci. Maougas pour le resub. On se détend. Ça va mieux tout de suite. Avec tous les zombies, putain, qui font les cœurs derrière, là. Mais prenez un strepsil, bordel. Putain, c'est encore loin. Putain, c'est haut. Ouais, c'est encore haut. C'est bien, toutes ces torches, ça fera un dîner romantique pour les zombies. Vas-y, mets en plein des torches, avec là, que ça éclaire un peu partout, que tu sois pas dans le noir, quoi. Enfin, ça c'est mort, c'est ma phobie perso, hein, mais. C'est trop compliqué d'avoir un arc. Ouais, faut tuer une araignée, récupérer du fil, etc. On n'a pas encore creusé d'araignée. Déjà qu'on tue pas les zombies, alors. Ah bah là. Là j'ai de l'eau là. Il y a de l'eau, ouais. C'est l'eau qui. C'est l'eau qui ruisselle. Putain. Oh là 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 là. Mais cassez-vous, putain! Cassez-vous mais... là! C'est pas possible, Julien, ils se casseront pas tant que je les buterai pas. Non. Après, ils s'avancent lentement, donc tu peux les tenir à distance si tu tapes bien. Tu tapes, tu recules, tu tapes, tu recules, voilà. Tu peux. Comment veux-tu ? Quel suspense, n'est-ce pas, Rower ? Elle le fait quand même, hein. Elle est en train d'attraper ses ovaires et d'essayer de le faire, alors, hein. Attention, hein.
courage. Donc eux, c'est bon, ils peuvent pas m'avoir à distance, alors. Non. Il y a que les... Si t'entends des sortes de petits bruits de bois qui s'entrechoquent, un peu creux, c'est que c'est des squelettes, et là, oui, eux, ils peuvent te tirer dessus. Oh, 1, 2, 3, 4, mais il y en a encore 5. Un là. Ouais. Non, mais comment je fais, moi? Après, ils vont pas avancer vite dans l'eau, mais quand même. Putain, la chorale de zombies, quoi. Je vais tellement mourir. En vrai, si t'atterris dans l'eau, quand tu tombes, tu meurs pas. Elle est over the top, dit Visiteur G. Ouais, mais bon, tu vois, pour me barrer. Là, je vais me balader dans le noir, les gars. Ah non, mais tu vas pas... D'ailleurs, si tu tombes, mets des torches quand même pour être sûr de te repérer. Et non, puis mais... bah, tu te bats, quoi. Hein. J'ai pas le temps. Si, tu plantes une torche dans le sol et puis voilà. Il court pas aussi vite que toi, en vrai. Donc, ça va, mais... Je trouve qu'il marche très vite. Oui, musique, cupio, ouais, c'est ce qu'on dit. Regarde, hop, il fait tout noir, mais tu déconnes ou quoi? Parce que t'avais une torche dans la main droite, c'est pour ça. Oui, mais je sais. Mais comment je fais, moi? Je vais rien voir. Comment je fais ça? Bienvenue à Zombieland. Je vais pas me battre avec une torche. Non, j'avoue. Il fait trop noir là. Je vais taper dans le vent. Oui, bien sûr, les deux creepers. Voilà. On sent qu'il y a les gens. Comment ça, deux creepers? Je les ai pas vus, les creepers. Y a pas de creepers, mais les trolls. Essaie d'éteindre ta torche 2 secondes, et pourquoi faire? Bon courage, Maugas, pour le boulot. Oh là là. Merci beaucoup. Bah voilà, ma torche 2 secondes, voilà. À droite, il y en a un. Oh non. Tu sautes, tu poses vite une torche en restant dans la flotte, et tu prends ton épée. Mais il y en a un là. Après, il explose pas, c'est pas grave. Hein. Mais il est où le creeper? Je le vois pas, moi. Ah, en vrai, tu peux voir plus loin si t'appuies sur la touche C. Ça permet de faire un zoom, tu vois. Tant que t'avances pas ailleurs. Là, c'est la gerbe. Ah bah oui, forcément, faut viser avant. Donc il y a lui. Ouais. Là, bah, il y a de l'or. Bon, là, copains. Et là, il y a les Beatles, là. Les 4 Gugus, là, putain. Je te le ferai bien, Rebecca, hein, mais bon, moi mais ça là, me dérange mais là, pas. Ils vont me sauter dessus. Non, là. Non, ils avancent pas si vite que ça. Et surtout, ils sont tenus à distance par l'eau en fait, donc ils ont du mal à traverser dans l'eau. Dès qu'ils marchent dans l'eau, ils font. Mais là, ils vont marcher dans l'eau. Ben, je sais pas. Je pense qu'en vrai, s'ils pouvaient, ils essaieraient d'être au-dessus de toi, mais là, ils sont tenus à distance par l'eau en vrai. Donc si tu fais plouf, une torche ici, lui, tu peux te le faire. Faut pas paniquer. Quand tu vas taper, ils vont reculer. Faut pas paniquer. Non, je veux dire, quand tu vas pas spammer, t'as bien retenu, hein, tu spammes pas avec ton épée. Tu tapes, il va prendre un dégât, il va reculer, il va essayer de réavancer, tu retapes, tu le tiens à distance. Donc en vrai, si tu tombes dans l'eau, tu prends pas de dégâts, tu te mets là, tu plus, plantes comment, ta torche. Comment je me protège après? Putain, comment je monte? Oh, là là. Oh, mais on plantera des blocs, c'est pas grave, pour remonter. On voit où c'est, tu feras une tour comme ça, clou 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 clou, et puis on remontera. C'est plus forte que ça, t'as 4 ans de chaîne. T'as survécu une dictature, tu peux le faire. Dictature. Dictature? Tu parles de Julien? Bon, non. Ben voilà. Voilà, allez, avance. Avance, plante ta torche, saute. Voilà, plante ta torche. Il est où? Ils sont derrière toi normalement. À ta droite, là. T'inquiète pas. Tu vois, ils sont maintenus à distance. Oui, l'autre, il avance pas, il est plus bas, je pense. T'aurais pu planter plus de torches, mais bon. Tu vois, ils ont du mal à avancer. Vas-y, prends-en plein. Il y en a un qui essaye d'arriver. Je crois que j'entends un squelette aussi. Clic droit, reprends ton épée. Voilà, tu vois, ils sont maintenus à distance là-bas. Eux, ils essayent de monter, mais ils n'y arrivent pas. Putain! T'inquiète, vas-y, tape. Voilà, lentement, tape, voilà. Ouf, ok. Ah, mais ils m'ont eu là. Ils t'ont eu un petit peu, t'as perdu un demi-cœur, mec. T'as une armure et tout, t'inquiète pas. Allez. Voilà. Putain, il y en a d'autres derrière et tout, mais bon. Allez, vas-y, tape. Voilà, il y en a deux, un qui est mort. Et vous êtes des pots de zob, hein, sérieux. Allez, vise bien, Rebecca. Avant de taper, ne spam pas, comme on disait. Mais je spam pas. Ok. Hop. Tu vois bien que je suis pas en train de faire. Ouais, bien sûr. Il faut que la croix elle soit sur le monsieur, par contre. Voilà. Faut que tu remangeras quand tu pourras après, parce que tu perds des points de vie à chaque fois, mais. Clic droit. Voilà. Bravo! Comme ça, là c'est pas mal. T'avances pas trop, tape avant qu'ils aient le son fait taper. Voilà, super. T'inquiète pas, ils arrivent pas derrière. Il arrive pas à monter lui. Il y a un creeper. Donc il arrive pas à monter, c'est bon. Voilà, ok, cool. Super. Vas-y, tape-moi ça. Encore un peu. Voilà.
Tout à fait, artisan Zakel. Plante une torche devant là. Pour qu'on y voit clair. Voilà, il y en a encore un qui veut se ramener. Voilà, plante-en plein, plante-en des torches. Tu verras plus clair, tu seras plus sereine. Yeah, elle l'a fait. Voilà, avance un peu dans l'eau, t'inquiète pas. De toute façon, t'en as fait 4. Là, lui, c'est bon, tu peux te le faire. Tu récupéreras ton. Ton épée. Tu vois, parce qu'on y voit plus rien. Donc, mets des torches, voilà, mets-en une à gauche. Voilà. Lui, il est coincé, il est coincé dans l'eau, je pense. Voilà, qu'on y voit plus clair, on aura moins peur comme ça s'il y a de la lumière. Voilà, t'es coincé dans l'eau, tiens! Tiens, connard! Tiens, le Beatles, là! Il y en a un autre qui arrive, allez, t'inquiète pas. Voilà, il a fait un tour sur lui-même, il fait une chorégraphie, on s'en fout. Voilà, ok. Mais il faut voilà, le tuer c'est bon. Main, là, c'est bon. C'est bon, ouais, ah oui. Il y en a encore d'autres oh qui arrivent. Oh là là. Au pire, tu reculeras dans l'eau, ils arriveront pas à avancer. Voilà, tu vois. Voilà. Pourquoi encore des torches là? Parce que vraiment on y voit pas clair. Hein. Bon, tu as crevé toi? Ok, allez, surveille. Hein, parce qu'il peut y avoir un creeper qui peut arriver lui sans prévenir. Hein, il va pas faire. Donc des torches, on avait dit. Un peu autour de nous là partout, si possible. Voilà, là devant là. Ça pourrait être bien là ici. Là, qu'on y voit un peu clair aussi. Qu'on les voit arriver les pots de zob là. Non, les pots de zob c'est dans le chat. Oh, on aurait dit du diamant là-bas. T'inquiète pas. Préviens quand tu viens. Fais pas ça comme ça, comme une vieille pute. Une n'est-ce pas, Rebecca? Ah ouais, une vieille pute. Ok. Eh ben, c'est pas mal là, non? Ah, mais tout à fait, artisan. Non, mais parce que moi, quand j'y jouais, il y avait pas autant de noir. Oh, oh là là. Bah ouais, tant que tu mets pas de la lumière, il spawn dans les zones d'ombre en fait, donc. Tu lui as jeté quelque chose, non? Ah non, c'était un cœur, j'ai eu peur. Je croyais que t'avais jeté ton épée, tu vois, que tu t'étais planté. Ah non. Ah non, bah t'attaqueras la pioche, hein, tant pis, il sera plus long, mais. Ok, cool. Mais je veux dire, il continue de popper tout le temps? Et s'il y a des zones d'ombre, il continue à popper là où il fait où il fait noir. Oh, j'ai entendu une sorcière. Là, par contre, c'est pas cool. Oh non. Oh là là. Oh là là, j'ai vu du diamant aussi, ouais, je pense. Donc là en bas, il y a un creeper, c'est sûr. À part là-bas. Il y a du diamant sur le mur, ouais. Et ça, c'est ça, c'est du fer. Pour récupérer. Là, pour le moment, t'es tranquille, hein. En vrai. Eh ben, on vit dans une société, hein. Alors surtout, tu mangeras pas la viande de creeper, de zombie. C'est pas bon. Mais pourquoi j'ai ça? Parce que t'as tué des zombies. Tu pourras nourrir ton chien avec, mais. Mon chien? Non, bon, t'as pas de chien, mais quand t'auras un chien, quoi, si un jour t'as un chien. Voilà, cool. Tu le récupères à ta droite? Yes. Voilà, et là, on a envie de s'enterrer et de rester là, hein? Ah, surtout qu'il y a des sorcières, là. Alors, en vrai, un mob peut tomber de haut, mais je sais pas s'il faut lui dire. Ah ouais? Ah, c'est embêtant ça. Ah, c'est dehors, putain. Peur au moindre bruit, la moto qui passe. Ça, c'est du diamant en face, oui. Mais là-bas, il y a une sorcière, c'est sûr. À ta droite, j'ai l'impression que ça t'est. Elle est peut-être en contrebas, hein, donc voilà. Ouais, mais j'entends. Ouais, parce que c'est bon, il vient. On l'entend. Ça, c'est chez nous, ça va. Remange peut-être un truc dans ton inventaire, parce que vu que. En fait, pour restaurer des cœurs, c'est obligé de prendre sur ta barre de bouffe. Ne reste pas appuyé. Ça, la viande. Yes. Voilà. Voilà, parfait. Et voilà, c'est bon, t'as tous tes cœurs. Je te dirais bien d'avancer, de continuer à poser des torches là où tu peux, hein, pour voir arriver les gens. Je sais pas. Il doit être là-bas, c'est sûr. Au pire, on connaît le chemin, on revient, on récupère le loot, et puis tant pis. Je pense qu'elle avait pu venir, elle serait déjà venue. Elle doit être derrière un mur là-bas. Elle doit être là-bas en fait. Tu crois? Vas-y, mets une torche là. Ouais, voilà. Et puis une autre encore. Et puis au fond aussi. Bon, ça je veux. Oh putain. Alors là, avec du en fer ou en pierre? Ah, je sais plus. Il faut une torche, une pioche en fer, je crois, non? Pour miner le diamant. J'en ai une. Ah cool, ouais, bah fais ça avec la torche en fer. Plus que 9 torches. Ouais, bah ça va.
Voilà, cool, on a du diamant. Creuse un peu autour. Vas-y, il faut avance pour le jeu récupérer. It's raining mob. Bravo, t'as récupéré du diamant. C'est bon, on est content, là, on peut aller se coucher. Putain, mais d'où ils sortent? Ils doivent être derrière le mur, par là-bas ou là-bas, en contrebas. Là, il y a un creeper. Ouais. Oh, je pense qu'elle doit être en bas. J'espère qu'il va pas venir pour de vrai le creeper, hein, parce que ça fait pas plaisir. Bon, bah on récupère de l'or, je sais pas ce qu'on en foutra. Ouais, mais là, tu as des trucs aussi. Bah, ça, c'est ah bon ça, c'est une chauve-souris. Mais il y en avait, tu sais, sur ouais, le... en haut, bah, c'était de l'or aussi, là-haut. Tu vois, là. Ouais, c'est de l'or. Alors, comment... Bah, là. Un seul, pas de bol, mais GG. Bah, c'est déjà bien. Hein. On a trouvé un peu de... On a trouvé encore un peu de fer. 3, c'est pas suffisant pour continuer à faire l'armure complète. Et on a trouvé de l'or. Il y a du fer au sol, dans l'eau. Normalement, c'est suffisant pour finir l'armure. Oh, ce serait bien, chaussette. Je prends ça, c'est bon, hein. Oui, oui, c'est bien. Je suis pas à l'aise avec tous ces bruits. Mais c'est bien, tu vis l'expérience que nous avons tous vécue. Juste derrière. Donc là, ouais, effectivement, là-bas. Là, du fer dans l'eau. Si jamais tu peux mettre des blocs pour isoler ça, si tu veux, des blocs de pierre, pour éviter que l'eau, elle coule à cet endroit-là. Pas aussi loin, parce que du coup, elle va passer au-dessus. Oui. Voilà, ça assèche un petit peu. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Que tes tourments pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. La crise cardiaque, merci beaucoup Artisan Zakai pour le joyeux anniversaire. Let's go Patrick. Putain. Ouh. C'est contradictoire parce que c'est un son qui fait peur, mais en même temps, c'est un son de célébration. Alors le cerveau, c'est compliqué dans le cerveau. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Merci encore, artisan. Là, il marche quand même, là. Je pense qu'il arrive vers toi. Oui. Ah ouais? Non, j'ai cru l'entendre. Derrière toi? Non. À ta droite? Derrière toi? Putain, Julien, tu m'énerves. Oui, tu fais des demi-tours. Là, à gauche. Ah ben non, écoute, ben non, j'ai dû me planter. Ici. Là. Attends. En dessous de toi, à gauche. Mais non. Mais non, c'est juste. Ah ben voilà, oh, d'accord, j'avais pas rêvé. Mais d'où tu sors, toi? Putain, mais d'où il sort? C'est un endroit où il fait sombre. Putain! Je déteste les crises cardiaques! C'est toi, je mettrai un bloc là ici pour les empêcher de monter une fois pour toutes. Ouais, là comme ça, je pense déjà, s'ils viennent par là, ça, un peu plus les faire chier. Good job! Mais oui, elle s'en sort bien! Ouais, elle fait des crises cardiaques, mais on est tous passés par là, non? Bon. Alors? Putain, mais il y a tellement. Comment on remonte maintenant? Faut que je retrouve. Parce que là, forcément, moi, j'étais passé par la flotte, donc... Est-ce que tu... J'étais pas très loin, mais... Eh bah, sinon, tant pis, hein, tant pis des cubes, et puis ensuite, tu feras un petit pont pour continuer. Je te montrerai comment faire. Essaie de faire en sorte qu'il y ait 0 cube au-dessus de toi, si tu veux vraiment arriver. Cet épisode vous est présenté par Confiance, le spécialiste des culottes absorbantes pour hommes et femmes. Je sais pas si tu peux faire ça dans l'eau. Ah si. Bien joué. Bon, ça va pas être... Au pire, tu taperas le bloc, tant pis. T'arrêtes de me faire... Si tu gardes espace enfoncé, tu peux remonter le long de la flotte. Ouais, mais ça, je le sens pas, Visitor G. Quand tu maîtrises pas, c'est un coup à tomber à côté. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Ouais. Oh, mais je... Voilà. Mais ce sont des zombies. Oui. Si elle n'apprend pas, elle ne maîtrisera jamais aussi. Oui, je sais, mais il y a moyen de tester dans un espace un peu plus safe que là où il y a des creepers d'un côté, de bon... Non, mais ils veulent me voir mourir. J'ai bien compris. Ils veulent du divertissement, Rebecca. Salut. Et le divertissement passe par ta mort, ouais, par ouais, ton ouais. échec. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ah là là. Bah, saute. C'est bon, je peux remonter. Je sais plus par où t'es arrivé. Par là je sais pas. Bon, vas-y. Je crois que c'était par là.
Ouais, c'est là, ça a l'air d'être ça. Ah, t'étais tombé de si haut ? Je sais plus. T'avais mis trop de blocs ? Ouais, si, ça a l'air d'être par là. Hein. C'est une toile d'araignée. Et là, il y a du fer. C'est pas récupérable, non, c'est pas intéressant. Bah, t'en mets 3-4 en dessous de toi et puis tu remontes là-haut. Non ? Et donc, oui, elle aurait pu remonter le long de la flotte. Ce serait plus pratique. Tu te mettais dans la colonne d'eau, t'appuies sur espace et tu remontes. Et après, tu ressors à l'endroit où l'eau elle émergeait. Et puis voilà. Genre, t'aurais pu ressortir là. Ça, en fait, tu peux t'en servir d'ascenseur en vrai. Quand tu sais le gérer, ça, tu te mets dedans, tu te laisses tomber. Et puis, quand tu veux remonter, t'appuies sur espace. Ouch. T'appuies sur espace, tu nages et tu remontes. Capitaine Ah bah là, c'est une mission pour Capitaine Caverne, j'avoue. La cave, la caverne, c'est thématique F5, effectivement. Oh, je suis sûr qu'elle sera bientôt accro. Non. Non. Vas-y, Torgé, c'est sûr que non. Dans un mois, la chaîne est renommée Becky and Craft. Ah oh là, 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 là 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 là. Non, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment pas son type de jeu, à Rebecca. Déjà parce que c'est trop pixelisé. C'est pas assez joli. Pourtant, je lui ai mis des shaders, hein, mais. Comme ça. Non, mais je... voilà, le pixel art en 2D, d'accord. Pas ouais. En 3D. Le voxel, donc. Ça, c'est voxel ? Bah, les pixels sont en 2D, mais les voxels, c'est des pixels en 3D. Des cubes. D'accord. Et du coup, bah, là, on va fabriquer un jeu en voxel, quoi. Arrêtez-moi si j'ai de la merde. Hein. Oh ! Il y a des gens par là-dedans aussi. Mais. Bah, il y a des petits creux, quoi. Il y a des petits couloirs de cavernes, tu vois. Pas des grandes ouais, caves. Ah, voilà, j'arrive enfin. Ah, mais non, c'est les villageois, je suis con. Oui, oui, mais du coup. Petit peu plus branlé. Là. C'est un peu compliqué ton entrée, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Fiou ! Donc. Alors. Est-ce qu'on en a assez pour se faire cette foutue armure en métal ? C'est bien ça, merci Lone Wolf. Alors, donc, dans ça. Le four, non ben, il te faut des lingots oui, de vrai. Fer et non pas du fer brut. Donc, c'est ce feu. Je sais jamais où c'est. Alors, dans ton inventaire. 6. 6. 2D pixel, 3D voxel. Okay. C'est ça. Qui c'est qui est rentré chez toi ? Ah bon ? Bah oui, j'ai entendu une porte qui s'est ouverte, non ? Ah non, ça va être les voisins à côté alors. Arrête de me faire peur comme ça ? Bah j'ai pas envie. Ah, on est 69 ! Bah voilà qui fera plaisir à ma grosse bite. Le viewer précédemment présent dans le chat, je veux dire. Oui, parce que toi... Non, bah ou du don. Gentil. Ma bite, son histoire. Oh là, alors là, je pense qu'il y a encore moins de gens qui ont la ref. Hein. Ma bite, née en 87, à Kinshasa. Ah oui, non, il y avait vraiment... Oui, voilà, ils veulent rentrer chez toi, ouais. Non. Oh, c'est un enfant villageois. Il vient toquer aux portes. Hé, hey, oh, dis donc. C'est fini, oui, de faire chier les voisins, là. Tu veux mourir oh. Ou pas? Non. Qu'est-ce que tu veux? Mais non. Mais casse-toi. Mais c'est mon lit. Barre-toi. Tiens, casse-toi. Non, mais où? Mais... Je pense que c'est vraiment ça. Ils l'ont codé exprès pour que ça fasse ça, je pense. Les gamins qui font chier. Chier. Bon alors du coup, non mais toi tu pètes les couilles, hein, sérieux. Donc, on en était à ça. Elle va lui mettre un coup de hache dans la tronche. Et donc. Tu as fait E, tu n'as pas fait clic droit. Alors voilà. Mais non. Parce que. On a pas assez. T'as récupéré ce qui était dans ton coffre derrière toi. Mais j'ai plus rien dans mon coffre, si. Ah si j'en ai. T'as pas fait clic droit. T'en as deux. Ça suffira pas, mon faux 9. T'en faut 9 si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. 7. Il t'en faut 7. Ah, oh, c'est bien. Et donc Ta-da-da-da. Oui. L'armure est complète. Oh là là. Il saute sur le lit, ouais, c'est un petit connard, là. C'était peut-être sa maison avant, peut-être. Iron Woman ! GG. Bravo, Rebecca, tu l'as fait. Non, mais oui, il saute sur le lit, incroyable. Bravo ! Attends, je me mets là, comme ça, hop. Bravo ! Ah. C'est mon lit ! Oh là là, bon, attends, je vais voir ma bébé trave. Voilà, peut-être, Rebecca, tu serais plus à l'aise à faire du jardinage. Et de l'exploration. L'exploration, c'est cool aussi, hein, mais... Puis tu découvres des biomes incroyables. Vous disiez quoi déjà ? À 5h, elle sera dans le désert ? Ah non, non, moi j'ai jamais dit ça. Merde, j'ai mis un caillou dessus. Rebecca ! Comment on récupère ? Avec une pioche. Avec du savon. Hein ? Et donc,
là en fait, parce qu'il fallait faire. On va enfin pouvoir aller dormir. Oui. Eh non, mais ce gamin là. Après, si on l'attaque, il y a le golem de fer qui va nous mettre sur la gueule, mais bon. Mais oui, c'est fait exprès. Non, mais. Rendez-vous dans un an, exactement. Vous vous rappelez pas des streams de Zerator sur. C'est quoi là? Sur le RPG dinosaurique là? Clic droit. Mais comment c'est pas logique en fait? Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais casse-toi toi. On n'a pas précisé l'année, ouais. Non, mais si vous vous rappelez du. Il jouait un jeu tous les nouvel an là à chaque fois. Avec les dinosaures, tout ça. Et chaque année, il relance la même game pour voir comment le jeu avait avancé. Ça fera peut-être ça pour nous aussi. Non mais là, vraiment. Une vache triste, on dit qu'elle est mélancolique. Peut-être. Comment on pourrait faire? Mais putain. Ça peut vite me casser les couilles, ça. The Isle, merci. Ha voilà, tu fais moins le malin. Nananer. Je me suis emmurée. Mais oui, te regarde en plus. Voilà. Bon, pas pratique, mais... Petit bâtard. Ah, punaise. Un saut de lave et c'est réglé. Voilà, chais. Exactement, Luc Marcheciel. Eh ben, on aurait pu créer le moment quand tu avais ton armure. Écoute, Rebecca, si tu jamais tu veux te mettre dans ton inventaire, on va faire le moment au moment où tu y es. Alors, attends, je vais juste me mettre avec l'arme, quand même. Voilà. Mais non, mais il y a le trou de balle, là aussi, là, qui arrête pas d'ouvrir. Vas-y. Le trou de balle qui arrête pas d'ouvrir. Eh ben, c'est pas grave. Il y a la musique. Ah, la musique qui revient. Ok, très bien. Attends, est-ce que si je fais... Ouais, elle reste. Mesdames est-ce et messieurs... Ça oui, ça marche tout à fait. Je pense. Mesdames, ça va être le moment du moment. Le moment du moment, mesdames est-ce et vous messieurs. Êtes là, à la fin de ce stream, vous avez tenu... Je ne sais pas combien de temps on a fait, mais il est 6h15, donc on est... Ouais, bah, 14h comme d'hab, non 14h comme d'hab, voilà. Je veux mon bagel. J'avais lu mon bagel. En fait, ça, c'est pas ça. Bravo. Merci. 14 jours! Ah non, 14 heures! Ça fait 14 jours que vous êtes en live! Incroyable! Eh bien, je crée le moment, mesdames et messieurs, c'est bon! L'armure de Becky est complète! C'est fait! Bravo! Incroyable! Vous m'avez aidé! Ah bah là, vous oui! Vous m'avez bien fait peur aussi! C'est pas sympa! Tellement! Mais toi-même! Allez, je crée le moment, récupérez votre badge, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence sur ce live! Des 4 ans. Et voilà. On aura. Eh hey, je regarde après encore un petit. Oh, je peux récupérer le badge. Ouais, moment obtenu. Ça y est, c'est fait. J'ai cliqué sur le bouton sur ton téléphone, Rebecca. Voilà, t'as récupéré le moment. Moi aussi, je l'avais pris. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Parfait. Fiu. On se regarderait pas encore un petit coup du. Ah, putain. Un petit coup du best-of, là, non putain. Quoi? Non, mais pour ceux qui l'ont pas vu, quoi. Ceux qui étaient pas là. Attends, faut sortir de Minecraft quand même. Oui, oui, oui. À sortir de Minecraft. Il va pas se coucher lui. Si, vas-y, viens, non. Et là, c'est bon, c'est sauvegardé, c'est bon. Oui, non, mais oui, sauvegarder et quitter, c'est écrit. Ok. Hop. C'est vrai, j'ai pas vu. T'as pas vu quoi, le caillouette? Ah ouais? Oh. Qui c'est qui a mis les. C'est qui a mis les bruits de piou-piou? Zaka, il a mis. Bah oh. Là, ça, c'est bien, mais du coup, on peut pas mettre le. On peut pas mettre. Ça fait tellement plaisir. T'as eu ton badge? Quel bouton? Mais non, mais ça, t'as encore raté le badge. Non, mais en vrai, je crois que les gens qui sont quand même là, c'est pas grave si. Mais t'as dit ça tout à l'heure où il l'a raté aussi. Donc en vrai, non, ça marche pas ton histoire. C'est bizarre. Parce que moi, des fois, j'ai pas réussi à cliquer, je l'avais quand même. Ah ouais, ouais. Bon. J'ai pas fait gaffe pour les 3 minutes. Ouais. Désolé. C'est pas grave. Non, mais c'est bien, moi, je trouve ça. C'est honteux. C'est apaisant. Bon, on va faire un petit débrief. Oh, Julien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Rebecca? Faudrait regarder à quelle heure elle ouvre la boulangerie. Le dimanche? Ah ouais, peut-être. Effectivement. Je n'ai rien vu. Mais c'est fou, moi, ça s'est affiché tout de suite sur mon téléphone. Et sur le PC. Il faut recharger, en général. Sinon, au pire. Sauf s'il est dégoûté. Ça n'a pas l'air de marcher sur téléphone. Ah si, moi, ça a marché sur téléphone. En fait, je pense qu'au prochain stream, tu regarderas, sauf, mais si ça se trouve, au prochain stream, tu auras tes badges. Parce que moi, je crois que des fois, ça m'avait fait ça et c'est pris en compte plus tard. Non, non, moi, je l'ai eu, je l'ai récupéré. Ça a marché instantanément. Julien, t'es sexy. Merci. Moi, je ressemble à Rod Stewart, moi. Mm. Si, 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 si. Bon, là, j'ai un cheveu qui ressemble à rien, là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hop là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ce petit son de oiseaux, l'air de rien. De oiseaux. Le fireworks, il marche pas? C'est peut-être parce que bah, c'est pas la bonne scène. Peut-être si. C'est pas la bonne caméra. Attends. C'est parce que c'est pas la bonne scène. Ouais. Non, bah, c'est cassé, écoute. C'est très étrange.
Oh, après, je m'étonne plus de rien. Après 14 heures de live, en général, les bots, ils sont à genoux. Balloons. Après, on peut choisir le badge affiché dans le chat. Peut-être, check de ton côté. Effectivement. C'est vrai, Truel. Peut-être que tu as les bits, l'abonnement. Ah, mais regarde, Truel, il en a 3 quand même. Hein. Mais parce qu'il est modérateur. D'accord, il n'y a que les modérateurs qui en ont. Faut signer le badge manuellement. Eh ben voilà, Soft, peut-être que tu l'as automatiquement, effectivement, et que tu... Comment la petite roue crantée, et puis après, je sais plus. Prends ça, compte, sans la puissance. Oh, on la sent bien. On la sent bien. Alors, je sais plus, dans la petite roue crantée. Ça fonctionne encore. Le son marche encore, mais pas les visuels. Alors... Je vais demain, d'accord. Je verrai demain. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça s'est peut-être cassé pendant le crash OBS. Oh, il y a des chances. Il y a des chances. Parce que là, il n'y a plus aucune source visuelle qui fonctionne, j'ai l'impression. Pourtant. Ah, ça s'est arrêté. Le confetti nested, il est ici, donc il est visuel. D'abord, partage le lien que tu avais. Tu avais fait une commande. Alors. Le balloon, non plus. Quel cas non plus. Comme on disait tout à l'heure. On va le regarder, mais si jamais vous voulez nous laisser le passage qui vous a fait le plus rire... En commentaire sur YouTube, ce serait merveilleux. Juste pas comme ça, pour la rigole. Il y a déjà des gens qui nous ont signifié quel était le moment le plus hilarant du clip. Ah bah ça, il a dit « C'est vrai qu'on rigole bien. Je vois que j'ai loupé des moments légendaires. Le poète, évanescence, les pipes. Merci chaussettes. » Voilà. Mais tous les détails, mais c'est fou. Ah, il faut revoir évidemment le best-of pour voir tous les détails. Hein. Je vous mets le lien, n'oubliez pas de laisser des pouces et des commentaires, s'il vous plaît, pour le travail accompli. Putain, c'est fou, quoi. C'est incre. Vraiment, c'est... Ah là 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 là. Non, mais vraiment, c'est... Incroyable. On aura bien rigolé. Encore bravo à Monsieur Chaussette, pour son travail de montage. Formidable. Oh. Et ben on aura bien mérité notre repos, non ? Oui. Je loupe tellement de bons moments à devoir rester sans son. Ah, oui, c'est sûr que regarder le stream sans son, c'est compliqué. Et c'est bizarre de regarder du Twitch sans le son. Surtout si tu viens chez nous pour la musique, c'est compliqué. Bah oui. Là, c'est bon. Après, quand on met des perruques, pourquoi pas ? Il y a Rod Stewart en stream, voilà, on est bien là. Mais bravo, effectivement, Monsieur Chaussette, incroyable travail. Je pense que tout le monde est admiratif. Vous regarderez les détails, hein, le compte en banque de Charles de Gaulle, évidemment. Ouais, non, qu'est-ce que pareil, ouais. Il y a de quoi rire sur le moment et de quoi rire quand tu regardes les détails. C'est bien. Il va être l'heure bah pareil, c'est doux. Il va être l'heure d'aller au lit pour nous aussi. Hein. Il y en a qui vont aller travailler pendant que nous allons dormir. Mais un dimanche, c'est ben criminel. Ouais, mais j'espère que vous êtes payé double. Hein. C'est ça qui est fou, mais ouais. Qu'est-ce que quoi de plus, Rebecca ? On est bon là, non ? Ouais, ouais, ouais. Alors attends, le planning la semaine prochaine. Oula, t'as le planning la semaine prochaine, toi ? Je peux déjà estimer. Ouais, je me réveille, mais il est 13h30. Ah oui, c'est vrai que Félix-San, il est en Corée, c'est vrai. On n'a pas décidé ce qu'on fait le week-end prochain, si on y va déjà la veille ou pas. Ah, du coup, s'il faudrait peut-être streamer vendredi plutôt que samedi, c'est ça ? Bah, ça dépend. Ouais, mais ça dépend ce qu'on fait. Parce qu'on sait pas ce qu'on fait ce week-end-là. Tu voulais regarder pour le marathon... Il y a un marathon Harry Potter. C'est vrai. Mais tu voulais enchaîner le marathon Harry Potter, donc de 24 heures. Oui. Au cinéma. Oui. Avec un concert à Bruxelles. Ouais. Donc dormir pas beaucoup. Je crois et que faire les... la route. Je les ai pas tous vus, les films, et j'aimerais même les faire une fois pour toutes. Et moi, j'aime bien me faire tout d'affilée. J'avais fait ça pour Le Seigneur des Anneaux, je les ai jamais tous vus. Alors, le problème, c'est que du coup, on va devoir se les taper en VF. Non, je suis pas sûr. Je sais plus si c'est en VF ou en VO. S'ils sont en VF, on n'y va pas. Bah non. Voilà, on va regarder s'ils sont en VF ou en VO. S'ils sont en VF. Mais bon, non. 24 heures quoi. Non, mais 24 je pense qu'ils font des grosses pauses. Il doit y avoir des pauses repas, etc. Je pense d'ailleurs des trucs comme ça parce que 24 heures. Les 8 films font pas 24 heures. Je sais pas. Tu peux. Ah, quoique, s'ils font 3 heures chacun. Voilà, peut-être. Culus explodus. Merci. C'est la fatigue. Merci, Philissane. Bon, et ben on vous tiendra au courant pour le planning en tout cas. On fera une pause frite à Bruxelles. Ouais. Bah on sera surtout, on va voir le groupe Lancôme qui est incroyable. Bien, ça. Le plus dur c'est les deux premiers films. Ah ouais. Bah oui, ils sont tous jeunes et c'est les films gentillets quoi. Ouais, avant que ça devienne sérieux, tu vois. Bah c'est peut-être les meilleurs justement parce qu'ils sont assez mignons. 20 heures. Ah ouais, bah 20 heures plus les pauses effectivement, ça ferait peut-être 24 hein, en fait.
16 heures en tout. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Ah là là là. Mettez-vous d'accord. Bon, c'est perturbant de streamer avec cette caméra de ces morts là. Celle qui n'avait pas planté là-haut. Ah, pendant les streams musicaux, les streams jeux vidéo. Oh là là, 14h30. Ouais. Bon, y'a pas Cassiope qui a lancé un stream là qu'on puisse l'arrêter. Non, les gars. Chaque fois qu'on arrête un stream, qu'on reprend, y'a Cassiope qui est en ouais, live. On peut faire un raid, hein, effectivement, pour la blague, pour dire. Voilà. Oh là là, mais non, parce qu'on va devoir dire ah oui, salut, non, on a fait un stream anniversaire. Mais c'est pas grave. Ouais. Alors, on dit on est fatigué, on va se coucher. Bon bonne tour, nuit. On a fait 14h30 de stream, bonne nuit. Oui, voilà, Long Wolf dit n'importe quoi, surtout c'est pour ça. Ça. Ouais, hop là. Je dis 34, mais bon, juste sorti un nombre au hasard. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Je vais raid mon libé, oui, tu m'étonnes. Qui stream? Voyons voir qui c'est qui en stream en ce moment. Parce qu'on stream, on raid jamais des personnes à ceci en fait. Bah oui, justement. Donc en fait, on connaît personne à ceci, à part E.T. Un peu de tout, mais surtout de rien. Bah, on peut aller raid E.T. Sérieux, hein. Y a des gens qui. C'est mais le seul. Ils sont à l'autre bout du monde. Ah oui, c'est des gens que j'ai follow et qui sont en live à Los Angeles. Enfin voilà quoi, ils sont sur la côte ouest. Enfin. Ok. Bah on va raid tout simplement E.T. Hein, je pense, qui est en train de faire de l'art. Ça fait 9h qu'il est en live, on verra bien ce qu'il fait. ITI 63. Pas E.T. téléphone maison. Non, j'ai loupé le moment. Oui, Fraisover. Oui, oui, tu as loupé le moment. C'était le. De la fin. Quand j'ai crafté tout, l'armure. Toute l'armure. C'est voilà. Ça. Patati patata. Ah, la rupture est violente quand même. La brutalité de le retour à la réalité. Merci beaucoup en tout cas pour ce dernier jingle d'anniversaire. Ce cut, c'est pas moi qui les ai fait. Hein. J'ai récupéré ça, mais pas très longtemps avant le début du live, histoire de rajouter des trucs un peu rigolos. J'avais dessiné une étoile. Oui, elle a disparu, Rebecca. Je crois qu'elle était là. Ton étoile. À ton étoile, on ne la voit plus. En tout cas, on réédite, mesdames et messieurs. Ah bah zut, du coup, tu auras raté le dernier, Fraise Lover. Oh. Je suis navré. Eh ouais. Oh. Si jamais vous êtes seul, vous prenez le message de raid qui bouge. Si jamais vous n'êtes pas seul, vous prenez le message de raid qui ne bouge pas. Ok. Raid sub, raid. Vous copiez-collez le message évidemment et vous collez ça en arrivant chez E.T. Je sais qu'on va être 4 certainement, mais c'est pas grave. Non, ce sera pour le symbole. Il y a plein de cadavres là, je pense. Hein. On ouais, est ouais, 67. Ouais. Non, on n'est pas 67, on est 12. Si. Non, mais non, on est 12. Mais si. D'accord, Rebecca, on est 67. T'en doute. Bah. Vous êtes là les 67? Non, mais il y a 12. Voilà. Actif, on s'est compris, on s'est compris, on s'est compris. Ah. Le générique. Le générique. Il y a un générique. Oui, il y a un générique. Attention, le générique. Waouh. Wow. Allez, bisous. Oh, merci beaucoup pour tout, pour ces 4 ans. Est-ce que ça va? Même pas fatigué. Bon, quand même un peu. Tu vois, 62. Voilà. Artisan, il y a une voix de 62. Oh, il est meilleur. Bah, gars, bon courage pour le taf. Merci Qualcahuète, merci Cédo, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci Robinson au bord de l'eau. Tu vois, ils sont encore nombreux. Saturne, hein. Ouais, vous êtes encore vous là. Vous êtes fous les gars. Merci n'oubliez beaucoup. Pas évidemment, ça parle français chez E.T., ça fait de l'art, n'hésitez pas évidemment à follow par là-bas, vous le connaissez certainement, vous l'avez déjà vu. Minuit chez vous, oui, tout à fait, bien sûr, minuit chez vous. Merci encore Chaussette infiniment, on reprend contact rapidement pour tout ce qu'il faut, tout ce dont on a discuté. Et puis. Ben, bonne nuit. Et ben mardi le stream solo de Cloud. Mardi je suis tout seul, venez me tenir compagnie. Voilà. Ouais, il est 1h, ouais, tout à fait, ouais, Luc marche au ciel. Tu peux essayer ça, ouais. Non. Allez. Mesdames et messieurs, merci beaucoup encore. Oh, qu'est-ce qu'on se sera bien marré là. Oh, oui, hein. Oh là 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 là. Ça a été au début, c'était un peu plus en fait non. Après c'était ça allait bien. Au début bien. Non. Et après ça va. Allez, moi j'éteins déjà la lumière. Au début hein. Elle est froide. Au début elle est froide. Au début elle est froide et après elle est bonne. Elle est bizarre ta cover, Rebecca. Allez, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Oh là là. Bon dimanche. Ah ouais, le dimanche. Oh, le allez, les petits croissants, la boulangerie là. On y va, la boulange. Let's go. Ah ouais. Let's go, la boulange. Au revoir. À bientôt. Salut. Allez,